Mes chers collègues, à la demande de plusieurs d'entre vous, et je salue Hervé Gillet, nous entamons aujourd'hui une séquence d'auditions qui vont être consacrées à l'eau, cette ressource si précieuse sans laquelle il n'y a pas de vie. Pendant longtemps, notre pays s'est bercé de l'illusion que la ressource en eau était illimitée. Grâce à son climat tempéré, à sa pluviométrie abondante et régulière, ainsi qu'à des aquifères à aux effets contracycles, qui joue le rôle de masse d'eau, de réserve, pour répondre aux besoins de l'été qui se recharge en hiver. Le cycle idéal n'est plus qu'un souvenir. La donne hydrique a changé, car l'or bleu est devenu rare. Et ce n'est pas un scoop pour personne, nos concitoyens font la meilleure expérience d'épisodes de sécheresse, épisodes chaque année de plus en plus sévères, plus en plus fréquents et plus en plus longs. Plus d'une centaine de communes ont été dans l'incapacité de fournir de l'eau potable à leurs habitants au plus fort de la canicule l'été dernier. C'est une situation inédite qui a marqué les esprits avec des approvisionnements par camion qui sont le révélateur de la fragilité de nos réseaux et de notre dépendance souvent oubliée aux performances des services d'adduction d'eau. Dans ce contexte, il m'a paru fondamental que la Commission s'intéresse à nouveau à ce sujet, à l'aune notamment des évolutions du contexte climatique et hydrologique. La bonne gestion de l'eau est un prérequis essentiel à un contexte social apaisé. La rareté de l'eau peut conduire à des conflits d'usage, conflits délicats à résoudre, mais plus graves encore à des conflits d'usagers, ce qu'il faut à tout prix éviter. Les défis, et ils sont importants, sont devant nous, et il est nécessaire de s'y préparer. Nous ne partons naturellement pas d'une feuille blanche, mais il faut que cette feuille, dont les premières lignes ont déjà été tracées, devienne une véritable feuille de route, pour assurer la résilience hydrique de la France. Notre première table ronde sur ce thème, consacrée à la gestion de la compétence de l'eau par les collectivités territoriales dans un contexte de changement climatique, cela n'étonnera personne, le Sénat étant l'Assemblée des territoires. Pour explorer ce vaste sujet et les nombreuses questions qu'il soulève, nous avons le plaisir d'accueillir M. Thierry Burlot, président du Cercle français de l'eau, une association créée en 1990 par notre ancien collègue Jacques Oudin, sénateur de la Vendée. Monsieur Burlot est par ailleurs président du comité de bassin Loire-Bretagne. Monsieur Bruno Forel, président, et Frédéric Molossi, co-président de l'Association nationale des élus de bassin. Baptiste Julien, pardon. Ah, oui, en visio, Baptiste Julien, responsable du pôle eau de l'association Amorce, un réseau d'information, de partage d'expériences et d'accompagnement des collectivités en matière de transition énergétique et de gestion durable. Je vous remercie d'avoir accepté d'être en visio. Qu'elle repose sur une organisation en régie ou une délégation de services publics, l'exercice de la compétence eau et assainissement est confronté à des défis nouveaux. Raréfaction de la ressource, rénovation des réseaux vieillissants, caractérisés par de forts taux de fuite ou tarification aux usagers, un important levier d'investissement que peu d'élus utilisent. Il y a une forme d'anachronisme à rester sur l'idée que la modicité du prix de l'eau est un indicateur de bonne gestion de la compétence. Dans un avenir proche, il faudra nécessairement débattre de la facture d'eau, le prix étant un puissant vecteur de sobriété pour mettre fin au gaspillage, à condition que des actions de sensibilisation du grand public soient menées en parallèle. La voie est cependant étroite. La fourniture d'une eau de qualité à un coût maîtrisé est un enjeu de premier plan pour les services d'eau et les usagers. Même si l'idée d'une tarification de l'eau à l'aune des contraintes pesant sur la ressource fait son chemin, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Cette question me paraît essentielle pour le petit cycle de l'eau, alors que de nombreux élus locaux déplorent le désengagement relatif des agences de l'eau pour la rénovation des canalisations, la rénovation des ouvrages de traitement. À ce propos, j'ai récemment publié une tribune largement co-signée par les parlementaires, appelant à un plan d'urgence national eau qui déclinerait entre autres mesures un ambitieux programme de rénovation des réseaux. Notre pays est un bon élève historique en matière de gestion et de traitement de la ressource hydrique, à tel point qu'on parle souvent de l'école française de l'eau. Mais il ne faut pas baisser la garde ni abandonner le soutien financier aux collectivités gestionnaires. Je rappelle que la Commission européenne, Cour de justice de l'Union européenne, d'un recours en manquement le 9 juin 2021, car les conditions de traitement des eaux urbaines résiduaires de 169 agglomérations d'assainissement et 2 000 habitants
de 2000 habitants et plus non conformes à la directive européenne. À ce jour, 92 présentent à nouveau des performances conformes aux exigences de la directive. Mais 77 sont toujours en cours de mise en conformité. Il y a là un point d'attention sur lequel la Commission souhaiterait recueillir votre avis. J'aimerais également évoquer les réformes à mener pour lever le tabou de la réutilisation des eaux usées. On arrose aujourd'hui les pelouses avec de l'eau potable. Les voitures sont lavées avec la même eau que celle qui sert à la cuisson de nos aliments. Comment mettre fin à cette aberration? Quels sont les freins à desserrer pour avancer sur ce sujet sans amoindrir la sécurité sanitaire des populations? Ce ne sont là que des premières pistes pour engager le dialogue avec la Commission. Et je ne doute pas, et j'en suis certain, parce que j'ai déjà beaucoup de collègues inscrits pour des questions, je ne doute pas que mes collègues sénatrices et sénateurs auront bien d'autres questions à vous poser. Je vous donne la parole, je ne sais pas dans quel ordre. Allez-y, 1, 2, 3, voilà, on va le faire dans ce sens-là. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer en quelques mots de vous dire un peu mon sentiment sur ce qu'on vient de vivre et finalement essayer d'esquisser des pistes de progrès sur ce dossier essentiel qu'est l'eau. D'abord, l'été 2022 nous a permis de comprendre tous que l'eau n'était pas inépuisable. Et que c'est un bien commun et que c'est un bien essentiel au développement économique, à l'attractivité de nos territoires. Sans eau, pas de santé publique, sans eau, pas d'énergie, sans eau, pas d'urbanisme, sans eau, pas d'industrie. Bref, l'eau, cet été, on s'est rendu compte, et vous vous êtes rendu compte aussi, bien sûr, que finalement, son manque a profondément marqué nos territoires, et particulièrement nos territoires ruraux. Je prends l'exemple de la pomme de terre, et ce n'est pas Gérard Lahellec qui va me contredire. Dans le pays de Pleuc-sur-Lier, pays de la pomme de terre, c'est moins 50% de production cette année. C'est moins 50% de haricots verts en France à cause du manque d'eau. Donc aujourd'hui, l'eau est précieuse et rare. Et on s'est rendu compte que finalement, il fallait que l'on regarde ça avec attention. Et on se réveille un peu douloureusement après, comme vous l'avez fort bien dit, Monsieur le Président, un pays qui était plutôt pas mal organisé. Autour de la loi de 64 sur l'eau, qui est une loi fondatrice, hein, qui a fait les choses assez bien, en créant ce qu'on appelle les périmètres hydrographiques, les agences de l'eau, donc les agences financières de l'eau, les périmètres hydrographiques, c'est-à-dire la relation entre l'amont et l'aval, et surtout une certaine forme de démocratie participative autour de la question de l'eau. On a eu la loi de 92, ensuite, qui a créé les SAGE, qui a décentralisé la loi de 64, et ça s'est plutôt bien fait. Tellement bien fait, d'ailleurs, que notre pays est une référence à l'international en termes de gestion. Et on avait presque oublié cela. Et je me souviens avoir participé à un forum mondial de l'eau. Et il fallait à l'étranger pour s'entendre dire que le modèle français est un bon modèle. Alors, vous vous dites, mais comment on a pu faire et en arriver là avec un bon modèle? Alors, pour moi, il y a trois sujets majeurs. D'abord, le premier, c'est de se dire que le petit cycle de l'eau, ça a bien fonctionné, Monsieur le Président. Vous l'avez dit. Aujourd'hui, tout le monde a l'eau au robinet. Et ça se passe plutôt bien. Et ça se passe plutôt bien. Alors, évidemment, il y a toujours quelques exceptions, Nadège, mais ça marche plutôt bien. Et on a même mis en place l'assainissement. Donc, voilà. Alors, on peut toujours faire mieux, mais j'ai envie de dire que le petit cycle de l'eau, il a assez bien fonctionné. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a des inégalités tarifaires, parce que dans les territoires ruraux, on paye généralement plus cher que dans les territoires urbains, mais ça s'explique aussi par la configuration des réseaux et par le nombre d'abonnés au kilomètre de tuyaux. Hein, on sait tous ça. Et parfois, on nous fait un débat sur le mode de gestion, mais franchement, s'il y a eu des abus sur le mode de gestion il y a quelques années, aujourd'hui, les choses sont sous maîtrise publique, on va dire. Hein.
Donc, c'est aux collectivités aussi de vérifier. Donc, le sujet, il n'est pas trop là. Le sujet, il est aujourd'hui sur le grand cycle de l'eau. Enfin, ou ce qu'on appelle le grand cycle. Même si je n'aime pas faire la différence entre petit et grand, parce que c'est la même eau. Mais il est sous le grand cycle. Alors, juste un petit point de... Puisque vous nous avez posé des questions, Monsieur le Président. Sur le petit cycle, il y aura des choses à améliorer. Interconnexion des réseaux. Sécurisation. Rendement des réseaux. Mais ça, on sait faire. J'ai envie de dire, on sait faire. Après, il faut être solidaire. Et vous avez compris, mesdames et messieurs les sénateurs, que on est solidaire, surtout quand on a quelque chose à gagner, quoi, parce qu'il y a ceux qui ne payent pas, qui veulent toujours payer moins. Mais on peut faire. Et ça, c'est facile. Enfin, c'est-à-dire, techniquement, c'est là. Non, moi, je prends l'exemple de la Bretagne. J'en parlais tout à l'heure avec Mme Hamet. C'est... Je prends les départements les plus sécurisés, c'est les plus interconnectés. Et ça, c'est une leçon de cet été aussi. Hein. Là où on a coupé l'eau, c'est là où il n'y avait pas de... Et il y a des territoires qui sont plus fragiles que d'autres, mais encore une fois, petit cycle, je ne suis pas inquiet. Il faudra qu'on travaille sur la réutilisation, tout ça, mais on en parlera dans un deuxième temps, si vous voulez. Alors, sur le grand cycle, là, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? D'abord, la première raison, c'est que le périmètre hydrographique n'est pas de périmètre politique de décision. Le périmètre hydrographique, le périmètre de la rivière, n'est pas le périmètre politique de l'organisation des territoires. Et là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce que, d'abord, qui décide ? Et est-ce qu'il y a cohérence ? Alors, pour justifier mon propos, ou pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple des SDAJ. On vient de voter en Loire-Bretagne le schéma d'aménagement de gestion des eaux. Donc du mont Gerbier-des-Joncs jusqu'à la pointe du Conquet. Comme si on pouvait d'ailleurs faire un document de planification aussi vaste, un périmètre aussi différent. Enfin, on a voté un SDAJ, puisque ce sont les agences, enfin les comités de bassin qui votent les SDAJ. Avec, M. Pierre-Jean s'en souvient, un certain nombre de difficultés et de tensions sur le sujet. Mais on l'a voté. J'ai regardé avec attention l'avis de l'autorité environnementale. Et l'autorité environnementale nous a dit, c'est très joli votre SDAJ, mais vous ne parlez pas aux Sraddet des régions. Comme si on pouvait écrire une politique de l'eau sans écrire une politique économique et d'aménagement du territoire. C'est assez juste, hein ? Alors je suis allé voir le Sraddet des régions. Et je suis allé voir l'avis de l'autorité environnementale sur les Sraddet des régions. Et j'ai lu très bien le Sraddet, mais vous parlez pas aux SDAJ. Donc personne ne se parle. Et là, c'est une des premières incohérences politiques de la politique de l'eau. C'est que la politique de l'eau, elle s'est enfermée, et je n'accuse personne, hein, c'est un constat, elle s'est enfermée dans la technique, en oubliant que la politique de l'eau, c'est avant tout de la politique d'aménagement du territoire et de développement économique. Et c'est bien le développement économique et l'aménagement du territoire qui fait la qualité de l'eau de nos nappes phréatiques et de nos rivières. Et c'est pas autre chose. Donc si ces politiques-là ne se croisent pas, on passe à côté de quelque chose. Donc la première incohérence, c'est que ce périmètre hydrographique qui existe, puisque non seulement on a fait des SDAJ, mais maintenant on fait des SAJ. Et je laisserai mes collègues en parler, ils en parleront beaucoup mieux que moi. Donc des SAJ dans les bassins versants. Ah, pardon. Durer un moment. Hein. Bon, je vais essayer de faire quoi ? Sages. Mais les sages, c'est pareil, ne parlent pas forcément aux intercommunalités, par exemple. Donc les intercommunalités, ils écrivent des SCOT, des PLUI, etc., sans se soucier de la question de l'eau, de son prélèvement, et surtout de sa capacité épuratoire. Donc si la politique de l'eau n'arrive pas à parler aux politiques agricoles, d'aménagement du territoire et de développement économique, on passe à côté de tout ça. Le deuxième sujet, et celui-là, je souhaite le porter auprès de vous parce qu'il est d'importance, c'est que le financement du petit cycle, il fonctionne assez bien. Plus je consomme, plus je paye. Ça a du sens. Par contre, le grand cycle de l'eau. Loire-Bretagne, c'est 30% du territoire national. Le fruit des redevances de l'Agence de l'eau au niveau national, c'est 2 milliards d'euros. Loire-Bretagne, 30% du territoire national, c'est 380 millions d'euros. Seine-Normandie, 20% du territoire national, 900 millions de redevances.
C'est-à-dire que les territoires ruraux, qui sont les plus vastes, n'ont pas de redevances. Et quand on travaille sur le grand cycle de l'eau, vous imaginez bien que ce n'est pas la même musique. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas les moyens, si je puis dire, d'agir sur le grand cycle de l'eau compte tenu de la faiblesse des moyens financiers. Et moi, je suis convaincu qu'après l'été qu'on vient de vivre, plus que jamais, tout le monde a compris qu'il fallait qu'on fasse des efforts sur le grand cycle, qu'on soit plus sobre, qu'on protège la ressource, etc. Et pour ce faire, il ne faut pas que ce soit uniquement que des contraintes. Contraintes pour l'agriculteur, contraintes pour le propriétaire, contraintes pour la commune. Et que si on veut avoir une politique ambitieuse sur le grand cycle de l'eau, il faut mettre ce patrimoine commun au service du bien commun et lui donner les moyens et un peu de fierté pour agir. Et l'environnement, ce n'est pas que de la récession, ce n'est pas que de la décroissance. Ça doit être aussi une ambition politique. Et une ambition politique à laquelle on donne des moyens pour aider nos agriculteurs qui feront les efforts, pour aider les communes qui feront des efforts, et ainsi de suite. Vous savez, moi, quand vous regardez un peu la fiscalité locale, aujourd'hui, plus vous urbanisez, plus vous imperméabilisez, plus vous vous développez, plus vous avez d'impact sur la ressource en eau, plus vous êtes aidé. Et à l'inverse, plus vous êtes dans une démarche de protection, de préservation du bien commun, de classement des zones humides, de classement du bocage, vous n'avez que la contrainte, encore une fois, pour le propriétaire, pour l'exploitant et pour la commune, et sans aucune rétrocession pour le bien public. Si on veut changer le modèle, il faut donner plus de fierté, plus de reconnaissance à ceux qui font le bien commun. Voilà, M. le Président. Merci, merci. Je vous donne la parole. Bien, merci, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, merci de nous accueillir. On va essayer de tenir les 5 minutes qui nous sont dévolues pour permettre un échange avec chacune et chacun d'entre vous. Peut-être brièvement vous dire que l'Association nationale des élus de bassin, comme son nom l'indique, regroupe des élus locaux, voilà, qui représentent leur territoire et qui sont investis à travers différents outils qui existent sur nos territoires, qu'il s'agisse des clés, qu'il s'agisse des établissements publics territoriaux de bassin, des syndicats de rivières, sur la question du grand cycle de l'eau. Brièvement, mais sans redire ce qu'a dit à l'instant Thierry Burlot, mais vous allez vite comprendre qu'il y a un certain nombre de points de convergence entre ces propos et ceux que mon collègue Bruno Forel et moi allons tenir devant vous. D'abord, nous avons deux principes fondamentaux auxquels nous sommes fondamentalement attachés. Le premier, c'est que l'eau est un bien commun. Et la période qui a été rappelée, ne serait-ce que de cet été, témoigne effectivement de la nécessité de rappeler constamment cette première exigence, en tout cas ce premier point de vue. Le deuxième point de vue, nous tenons profondément à ce qui a été le marqueur de la politique de l'eau en France et qui, comme ça a été dit, a été aussi un marqueur à l'extérieur, qui est la dimension de l'échelle de bassin versant comme la bonne échelle pour aborder la question du grand cycle de l'eau. Je dis ça dans la mesure où, ces dernières années, nous avons connu en matière de gestion du grand cycle de l'eau quelques bouleversements liés à quelques textes de loi, la loi NOTRe et la loi MAPTAM notamment, qui ont modifié sensiblement le paysage, notamment à l'échelle des collectivités qui étaient un peu fer de lance de ces sujets-là. Je pense là, en l'occurrence, aux conseils départementaux, avec un fléchage qui, vous l'aurez compris, avec notamment la création de la GEMAPI, a été dirigé vers le bloc communal à travers les EPCI à fiscalité propre ou les métropoles là où elles existent. Et donc, nous sommes dans une situation où les choses se mettent en place progressivement. Elles sont loin d'être abouties à l'échelle nationale. Il y a encore de grandes disparités en la matière. Et le troisième point que je voulais évoquer, c'est que, en ce qui nous concerne, en tout cas, nous ne sommes pas favorables à un grand soir ou à un nouveau bouleversement du cadre juridique dans lequel nous évoluons, mais plutôt sur un certain nombre de propositions qui visent à clarifier, à renforcer
et à pérenniser, selon nous, un certain nombre d'outils qui nous semblent exister, mais qui parfois ont du mal à se déployer ou ne bénéficient pas à nos yeux d'un poids notamment juridique suffisamment et politique suffisamment affirmé. La première chose que je voudrais exprimer devant vous, c'est pour nous une nécessité absolue de voir sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, se mettre en place des outils de planification territoriale. Je pense en particulier aux clés, mais aussi aux sages et aux SDAGE, mais aux sages en particulier, qui sont, vous l'aurez compris, des outils existants, mais dont, si vous observez la carte du territoire national, ne sont pas déployés sur l'ensemble du territoire. Et il nous semble que la première question, quand on doit aborder la question du grand cycle et des enjeux qui sont les siens, tient d'abord au fait de partager avec l'ensemble des acteurs de la question du grand cycle, que ce soit bien évidemment les élus locaux, le monde agricole, le monde industriel, de manière plus large, la question de l'aménagement du territoire avec toutes les réalités qu'il recouvre, c'est donc d'aller vers l'extension et la couverture de l'ensemble du territoire national d'outils de planification partagés. Il nous semble être d'autant plus utile qu'ils sont, à nos yeux en tout cas, le gage à la fois d'une ouverture de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes et en même temps de l'élaboration d'un document stratégique partagé. Et on a bien vu encore récemment du côté, par exemple, de la Charente, pour ne citer que le dernier exemple d'actualité, combien les conflits d'usage aujourd'hui apparaissent sur leur territoire et combien il est indispensable de les éviter à tout prix pour éviter toute montée en puissance de ces conflits d'usage. Et selon nous, le meilleur chemin pour les éviter ou en tout cas les apaiser est de faire en sorte de partager ensemble une vision commune et stratégique de moyen et long terme sur la manière dont nous souhaitons aborder les questions relatives à la gestion du grand cycle de l'eau. Le deuxième élément sur lequel nous sommes également très attachés, c'est la nécessité de rétablir ou de renforcer l'ingénierie publique en appui à la mise en œuvre de la stratégie collective qui aurait été préalablement, vous l'aurez compris, déterminée. Et là, nous pensons en particulier à la clarification et au renforcement des compétences des établissements publics de bassin qui ont pour vocation, je le rappelle, d'œuvrer à l'échelle des clés ou des interclés et qui nous semble, au lendemain de la mise en œuvre de la GEMAPI, et je m'arrêterai sur ce point-là avant de passer la parole à mon collègue Bruno Forel, qui nous semblent des outils non seulement d'ingénierie, mais qui doivent garantir précisément la cohérence de l'intervention et de la maîtrise d'ouvrage à l'échelle du bassin versant. Or, précisément, la GEMAPI a des aspects extrêmement positifs, notamment le fait qu'elle ait été fléchée notamment au bloc communal, et dans la mesure où elle renvoie à la question du rapport entre l'eau et le grand cycle, et la question de l'aménagement du territoire, tel que Thierry Burlot l'a évoqué dans son propos sur lequel nous sommes d'accord. En même temps, et c'est là tout le paradoxe, il nous semble qu'il y a un trou dans la raquette, c'est-à-dire que dès lors que la GEMAPI s'installe à l'échelle du bloc communal, s'il n'y a pas, selon nous, des outils de gouvernance, et en particulier de maîtrise d'ouvrage et d'ingénierie à l'échelle du bassin versant, il y a un risque à terme, y compris face aux difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités, d'une espèce de saucissonnage du bassin versant et d'un repli que l'on peut parfois constater d'ores et déjà des EPCI sur leur propre territoire sans tenir compte de l'absolue nécessité d'être en écho avec que l'amont et l'aval soient bien évidemment en écho, mais aussi le monde rural et le monde urbain, puisque vous l'aurez compris, selon nous, au total, la politique du grand cycle de l'eau doit être une politique de solidarité des territoires entre eux et de cohérence. Et donc, nous pensons absolument nécessaire, non seulement de déployer des établissements publics de bassin, mais d'en clarifier
et d'en renforcer les compétences, ce qui n'est pas aujourd'hui, selon nous en tout cas, suffisamment affirmé. Et je pense que, Bruno, tu peux peut-être enchaîner. Monsieur le Président Forel, je vous donne la parole. Pardon, il faut appuyer. Ça a été dit, la ressource en eau nous pose aujourd'hui une vraie question. En réalité, la difficulté se situe entre nos schémas administratifs au niveau des territoires, la manière qu'on a, dont on a organisé l'administration du territoire et sa réalité du fonctionnement. En effet, nos territoires sont administrés selon des limites administratives nombreuses et diverses, régions, départements, intercommunalités, communes, qui ne sont pas raccord avec le périmètre de fonctionnement de l'eau. Il est donc essentiel d'essayer de trouver une articulation qui permette, face à une ressource dont la pénurie nous est gravissime, de trouver un moyen de reconstruire un lien efficace entre la répartition territoriale administrative classique et le mode de gestion et de compréhension du système de l'eau qui s'établit par bassin versant. Ce n'est pas une nouveauté absolue, puisque effectivement des établissements publics de bassin ont été créés qui permettent de le faire. De grands établissements publics de bassin sur de grands bassins versants, c'est les agences de l'eau, les districts, et c'est parfaitement efficace, et ça a été mondialement apprécié et souvent copié. Il faut, pour arriver à gérer les choses proprement, descendre plus bas dans la maille territoriale. Et c'est bien la difficulté de l'eau, c'est l'eau, ça se traite au niveau très local et ça doit aussi avoir une vision globale. Donc on est dans cette tension-là. Comment arriver à faire en sorte que l'eau qui se gère sur un périmètre hydrographique puisse être correctement travaillée avec des périmètres administratifs qui n'épousent pas ce périmètre de fonctionnement? C'est ce que se propose de faire l'établissement public de bassin, en s'appuyant aujourd'hui, et à notre sens, c'est un bon système, sur la maille la plus territoriale qui soit, c'est-à-dire le bloc communal, qui se réunit dans des syndicats qui constituent des établissements publics de bassin. Alors il est vrai qu'il y a un certain nombre de variantes. On a aujourd'hui des établissements publics de bassin qui intègrent des départements et des régions, parce que des bassins versants peuvent être très, très grands. On peut travailler à des mailles où on a un établissement public de bassin global et plusieurs établissements publics de bassin qui vont travailler sur des sous-bassins. C'est possible de le penser de cette manière-là. Cependant, il faut donner une puissance de fonctionnement à cette échelle-là, et en termes de compétences, il nous semble qu'il est intéressant que la compétence première de l'eau reste au bloc communal et qu'on associe l'échelle départementale et régionale dans une compétence plus large qui leur permettrait d'intervenir sur ces domaines en soutien, mais en s'assurant de travailler avec une cohésion et une coopération qui descend au plus bas du territoire, c'est-à-dire au plus près du terrain, c'est-à-dire à l'échelle communale et intercommunale. Cette réalité-là nous permettrait, cette manière d'aborder les choses nous permettrait d'assurer cette tension entre le plus bas niveau du terrain et le niveau le plus global. Je voudrais insister sur un autre point qui a déjà été évoqué. Il est vrai et constatable que sans doute il manque un lien assez fort entre le SDAJ et les Stranet. Cependant, et là, je pense que c'est très, très important qu'on y arrive. Cependant, il existe déjà dans les textes des liens qui sont très forts entre les SAJ, les SCOT, les PLU ou les PLUI. Ils sont écrits comme tels, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, par définition, un rapport de compatibilité entre chacun de ces documents. Or, force est de constater que ce rapport de compatibilité, qui devrait être, à mon sens, une des préoccupations premières de l'action de l'État dans les territoires, de vérifier que les textes tels qu'ils sont écrits soient bien suivis des faits, semble particulièrement peu
scrupuleuse sur le sujet. Et je pense que si on insistait plus largement sur le pouvoir régalien de l'État en la matière de faire exécuter les textes et que chacun des documents d'urbanisme qui régissent la construction et le développement urbain, on arriverait sans doute à avoir de bien meilleurs résultats. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est vraiment essentiel, et notre collègue Thierry Burlot a commencé sur ce sujet-là, c'est que aujourd'hui, la pénurie que nous vivons n'est pas due à une mauvaise gestion du petit cycle de l'eau. Effectivement, les lois qui ont appelé à passer à l'échelle intercommunale et qui ont favorisé la connexion des petits systèmes vers des systèmes de plus d'assiettes qui permettent plus de sécurité d'approvisionnement, plus de qualité d'ingénierie, vont dans le bon sens. Et ce travail est en route et c'est une très bonne chose. Mais au-delà de ça, si nous avons de la pénurie, c'est parce que notre grand cycle de l'eau est en train de subir des modifications importantes. Et nous pouvons faire un travail pour améliorer la situation et faire en sorte que ce grand cycle de l'eau, sans revenir à ce qu'il était précédemment, ne nous joue pas des tours aussi compliqués. Depuis 10 à 15 ans, les sols français, dans leur globalité, s'assèchent en permanence. Les scientifiques le montrent avec clarté, nous sommes dans un cycle où l'eau sera une denrée plus rare qu'elle n'était autrefois. L'aménagement du territoire, la gestion de nos paysages, la gestion de nos villes, la manière dont on urbanise, tout ça peut concourir largement à assurer que nous sommes en capacité de continuer de répondre à nos besoins les plus fondamentaux. Sans doute faudra-t-il aussi regardez un tout petit peu la manière dont nous utilisons cette eau, hein. Assez clairement, peut-être faire des choix culturels, peut-être faire des choix industriels, un tout petit peu différents pour essayer d'être plus économe. Cependant, c'est bien le grand cycle de l'eau qu'il faut arriver à mieux maîtriser. Ce rapport entre les documents d'urbanisme qui déterminent l'aménagement du territoire économique et industriel est essentiel. Et il me semble qu'à la fois en donnant aux établissements publics de bassin, comme ça a été dit, une existence juridique qui attire plus l'action politique de terrain vers ce genre d'établissement, en lui donnant une vraie capacité de peser sur les documents d'urbanisme, et en ayant un État qui soit très scrupuleux sur l'application et la bonne articulation, on sera capable de répondre aux défis. Et il me semble que le défi est perçu par tous, puisque comme vous l'avez très bien vu, après des assises de l'eau, on a eu un Varenne de l'eau, et que là, on nous prépare de nouveau encore une modification, une annonce forte. Donc on sent bien que le sujet est prégnant. Nous serions inquiets qu'on révolutionne la totalité des choses, alors que nous avons une bonne base. En revanche, plus de rigueur dans l'application des textes que nous avons, une exigence plus forte et un renforcement de la gestion de l'eau par bassin sur la totalité du territoire nous semble une des réponses les plus adaptées. Merci, merci. Je vais donner la parole à Baptiste Julien, responsable du pôle eau à Amorce. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Je suis d'abord désolé de ne pas pouvoir être parmi vous puisque l'épidémie qui poursuit m'a empêché d'être à Paris ce jour. Je présente Amorce rapidement qui consiste à un réseau de collectivités avec plus de 1000 adhérents sur l'ensemble du territoire à différents échelons de la commune jusqu'à la région qui vise à être le premier réseau français d'acteurs d'information, de partage d'expérience et d'accompagnement des décideurs en matière de transition écologique. On travaille largement sur les déchets, l'énergie et l'eau dont je suis le responsable. Je m'accorde essentiellement avec les propos qu'ont pu tenir mes collègues de la NEB et du SAC français pour l'eau, auxquels je suis tout à fait en accord sur le réveil douloureux qu'on a eu, comme Thierry Burlot a pu le dire, après l'histoire de l'exemplarité française. On parle depuis tout à l'heure beaucoup de questions quantitatives, mais aujourd'hui, sur les questions de l'eau, on a de nombreux autres enjeux
qui sont bien sûr qualitatifs. On parle de pollution émergente, vous avez tous entendu parler des métabolites de pesticides qui ont refait surface, sans jeu de mots, cet été, mais bien sûr aussi tous les impacts du réchauffement climatique qu'on peut observer sur nos territoires. Et l'eau est au cœur, est au centre de tous ces effets du réchauffement climatique. Donc moi, j'aime souvent dire que l'eau est finalement la matrice de la transition écologique de nos territoires. Dans ce sens, je voudrais aussi faire un petit aparté sur le contexte. Vous avez tous en tête la sécheresse de cet été 2022. Mes collègues ont cité deux grands rassemblements que sont les Assises et les Varennes qui ont eu lieu, qui ont pu donner quelques ambitions au niveau national, qui ont ce mérite-là, et aujourd'hui le gouvernement qui a engagé le plan eau sur la transition écologique. Ça, c'est au niveau français. Au niveau européen, on a quand même des directives qui sont en pleine évolution, la directive sur l'eau résiduaire urbaine, qui revoit l'ancienne directive de 92 qui a été très bénéfique sur le petit cycle de l'eau au niveau de l'assainissement, qui a permis à l'essentiel de nos systèmes d'assainissement de se mettre en conformité avec des enjeux et des ambitions qui étaient assez fortes. Aujourd'hui, bien sûr, il y a encore un certain nombre de petits systèmes d'assainissement qui ne sont pas encore conformes, comme l'a introduit M. le Président, mais on sent une tendance qui a été dans l'amélioration au niveau de la directive eau potable aussi, qui est en cours de transcription au niveau national. On voit de nombreux enjeux, notamment sur tout ce qui est pollution émergente. Donc, on sent bien un besoin de financement pour pouvoir faire face à tous ces nouveaux enjeux. Mes collègues en ont parlé au niveau des redevances des agences de l'eau. Mais aussi, on sent bien un enjeu d'évolution réglementaire qui est attendu. Nous, notre position, elle est au niveau d'amorce. On a réellement besoin d'un débat politique et parlementaire autour de la question de l'eau. Pas pour remettre en cause la structuration telle qu'elle est aujourd'hui de gouvernance par bassin versant, qui est exemplaire. Encore une fois, la France a fait preuve d'exemplarité sur ce domaine depuis plusieurs dizaines d'années. Et ce cadre sécurisant a su faire ses preuves et je le partage totalement. Cependant, si on prend du recul sur l'ensemble de la gouvernance, sur l'ensemble des moyens de financement et sur la trajectoire, c'est-à-dire les objectifs. Aujourd'hui, les Assises de l'eau ont donné des objectifs de diminution de prélèvement de 10% dans les 5 ans et de 25% dans les 15 ans. Aucun texte réglementaire ne transcrit ces objectifs. Donc pour nous, il y a un enjeu de consolider la structuration de gouvernance et de financement de l'eau et de rajouter des objectifs chiffrés tel qu'on peut l'observer sur le monde des déchets ou sur le monde de l'énergie. Aujourd'hui, le monde de l'eau a très peu d'objectifs chiffrés. Et donc, la proposition est de pas d'être ensemble, tous ensemble sur la table pour se redonner des prospectives, mais plutôt pour se mettre d'accord sur des objectifs à atteindre dans les 5, 10 ou 15 ans à venir. Le premier objectif, il est dans le partage de la ressource. On a tous en tête ce qui s'est passé et on souhaite réfléchir ensemble sur comment bien répartir la ressource. Je suis totalement d'accord avec mes confrères sur le fait qu'on a des structures qui existent, que ce soit les SDAJ sur les grands bassins versants et que ce soit la déclinaison sur les SAJ qui sont les sous-bassins hydrographiques. Mais ce partage des efforts, il faut qu'il se fasse sur l'ensemble des usages. C'est-à-dire que si on se donne des objectifs de réduction, que tous les usages respectent ces objectifs, que ce soit le monde agricole qui est rapidement stigmatisé, mais que ce soit aussi, bien sûr, l'eau potable, que ce soit l'eau industrielle. Et n'oublions pas les prélèvements, qui sont des prélèvements majeurs. On ne parle pas de consommation, mais de prélèvements, qui sont bien l'énergie nucléaire, pour pouvoir produire notre électricité. On se prépare à des crises, et on en a peu parlé dans les médias cet été, que 50% des prélèvements sont bien utilisés par le parc nucléaire qui
en ce moment, évoquent des perspectives de doublement du parc. Donc, on se rend bien compte que la tension et le partage des ressources et la hiérarchisation des usages va continuer d'arriver sur la table. Donc, pour nous, il est temps de structurer ce partage de la ressource. Et il nous semble important, du coup, de généraliser les SAGE. Les SAGE dont mes collègues ont parlé, aujourd'hui, seulement 54% du territoire est couvert par un SAGE. Un SAGE dispose à chaque fois d'une commission locale de l'eau qui est un outil de concertation entre l'ensemble des usages sur un périmètre territorial qui a du sens en termes de gestion de l'eau, hein, puisqu'on ne peut pas se donner une gouvernance purement nationale au niveau de l'eau, le système de gouvernance... Je vais vous demander de conclure. Merci pour qu'on puisse donner la parole à nos collègues. Tout à fait. Donc, on propose la même chose sur la rationalisation des SAGE et l'optimisation et l'opposabilité sur les autres outils de planification. On a parlé de SRADET, PCAVT. Mais nous, on voudrait aller plus loin aussi sur des objectifs chiffrés, que ce soit sur la réutilisation d'eau usée traitée que M. le Président vous avez évoqué, comment se donner un objectif de généralisation sur, notamment sur le littoral, comment se donner des objectifs de désimperméabilisation des aires urbaines ou se donner des objectifs de d'épandage de produits phytosanitaires sur les aires d'alimentation des captages. C'est ce type de point que l'on peut discuter ensemble. Merci. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier et puis Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants sur ce sujet majeur de l'eau dans le contexte du changement climatique. Vous avez déjà largement abordé tous les sujets, grand cycle, petit cycle, la problématique de la quantité, de la qualité. Bon, dans le cadre des auditions budgétaires que je mène chaque année sur le programme 113, les directeurs des agences de l'eau indiquent que chaque année le problème de l'insuffisant taux de renouvellement des infrastructures qui ont un impact évident sur la qualité du service en termes de fuite, mais aussi de rejet non conforme. Donc il y a le sujet du plafond mordant que vous n'avez pas évoqué, mais que nous avons eu l'occasion d'en débattre dans le débat budgétaire qui vient de se terminer au Sénat. D'ailleurs, on a fait bouger les lignes, puisque vous l'avez indiqué, il faut aussi des moyens financiers pour mettre en œuvre ces politiques. Au-delà de la nécessité d'une meilleure coordination. Et donc là, moi, ma première question, voilà, c'est les propositions sur les évolutions pour amener davantage de financement. Et là, le deuxième point, c'est, même si le ministre, lui, n'est pas favorable à une nouvelle grande loi sur l'eau, mais bon, on a vu qu'Amorce en propose une clé en main. Donc j'aimerais que les différents intervenants puissent réagir à cette proposition. Enfin, Amorce pourrait en développer les principales orientations. Mais on voit que ce que vous avez pointé, la nécessité d'une planification territoriale et la nécessité qu'il y ait davantage d'interconnexions, enfin, SRADET, SDAGE, enfin, vous avez utilisé beaucoup d'acronymes, les clés, le SDAGE, le SAGE, la GEMAPI. Par contre, vous n'avez pas parlé du PTGE. C'est vrai que c'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais c'est quand même aussi un... Ça vise à avoir une approche globale et qui peut-être justement pourrait être intégrée dans une nouvelle loi sur l'eau, puisque voilà le sujet c'est quand même la résilience de nos territoires par rapport à ces questions-là. Donc voilà, c'est des observations assez générales qui peuvent amener à ce que dans votre deuxième intervention vous puissiez préciser et réagir par rapport aux propositions d'Amorce sur cette nouveau cadre juridique sur l'eau. Je vous remercie. Merci. La parole est à Hervé Gillet. Merci, Président, et merci d'avoir répondu à la proposition que j'avais pu faire, mais comme d'autres collègues, effectivement, de faire le point avec Thierry Burlot au niveau du CFE, Frédéric Moloussi et puis Monsieur Forel au niveau de la NEB. Pourquoi ? Parce que justement, on arrive à un moment où vous avez mené un cycle de travaux particulièrement intéressant, puisque la NEB vient de sortir son livre bleu, qui est un document, je trouve, stratégique
intéressant à poser aujourd'hui hein, par rapport à ces sujets. Et puis le CFE a mené tout un cycle aussi de conférences et d'échanges pour voir si nous devions aller ou pas vers des évolutions législatives. Et ça constitue une base de travail qui est particulièrement intéressante. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver peut-être à ce stade par rapport à un exposé assez complet que vous avez pu faire. Aller peut-être un peu plus loin sur certaines questions. Tout d'abord sur les EPTB. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'ils constituent aujourd'hui véritablement les structures à la fois politiques et techniques pour mener un ensemble de programmes d'action. Souhaitez-vous aller aujourd'hui aussi plus loin dans la reconnaissance des EPTB ? D'abord, les EPTB ne constituent pas un label en soi. C'est-à-dire qu'ils mobilisent certainement des financements, mais au même titre que d'autres syndicats, ni plus ni moins. Faut-il aller plus loin dans la reconnaissance des EPTB ? Et quelle vision de la planification vous avez sur le déploiement des EPTB ? On a eu un dialogue politique qui fait qu'on peut avoir de la différenciation territoriale, mais jusqu'à quel niveau ? Si on veut avoir une vraie planification en tant que telle, est-ce qu'il ne faut pas avoir une vision plus globale aujourd'hui sur le développement des EPTB ? Vous avez moins parlé aujourd'hui des EPAGE. Il y avait une forme d'articulation entre les EPTB et les EPAGE. Peut-être que vous pourriez justement sans doute le préciser par rapport à ça. Autre sujet que vous avez moins évoqué, sur la gestion de la ressource, sur la gestion des nappes. C'est aussi un sujet qui est très particulier, les nappes de surface et les nappes profondes. Différents sages également sont mis en œuvre dans ce cas de figure. Et elle nous renvoie aussi à des qualités de politique d'urbanisme qui ont été abordées dans la liaison SCOT et PLUI, puisque le but du jeu entre le petit cycle et le grand cycle, c'est de gérer au mieux le fil de l'eau. Et un des sujets en termes de stockage qui apparaît, c'est de reconstituer des zones humides, de les diversifier. Et c'est sans doute un des éléments de stockage parallèle que l'on peut constituer aujourd'hui. Et peut-être que vous pourriez nous donner quelques éléments complémentaires sur ces sujets-là. Enfin, dernier point, sur SDAGE et SRADET, effectivement, il y a une vraie question en termes de planification aujourd'hui qu'il faut interroger, mais qui nous renvoie aussi sur les contrats de plan État-région et aussi ce qui nous manque en termes d'outils, les contrats de plan interrégionaux qui aujourd'hui sont un peu en stand-by. Contrats de plan État-région parce qu'il faudrait, à mon sens, et je voudrais avoir votre avis sur le sujet, instituer aussi les politiques entre l'État, les collectivités territoriales et ensuite les opérateurs, notamment avec les CPER, y travailler des conventions territoriales avec éventuellement les départements et les autres collectivités pour déployer en subsidiarité ces politiques. Donc là également, si vous pouvez m'apporter quelques éléments d'analyse sur ce sujet. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Cyril Pellevin et après à M. Demilly. Et après, vous répondrez aux mes quatre collègues. Très bien. Merci, M. le Président, et merci aux intervenants pour la qualité de leur intervention. Donc, en ce qui concerne ma question, le 9 novembre, les 7 comités de bassin se sont réunis avec la secrétaire d'État chargée de l'écologie. Cette rencontre constituait le premier point d'étape pour définir la feuille de route gouvernementale pour l'eau et dont la mise en œuvre devrait débuter au premier trimestre 2023. Unanimement, il a été constaté une nécessité impérieuse d'agir plus rapidement et plus fortement pour mettre en place des solutions structurelles d'adaptation au changement climatique. Outre la nécessité d'investir davantage, de lever les freins organisationnels et de mobiliser les acteurs locaux, plusieurs pistes d'action ont été soulevées, en particulier accompagner l'agriculture pour la rendre plus sobre en eau, porter l'effort sur l'organisation du partage de l'eau et rendre les espaces urbains plus résilients. Cependant, les comités de bassin sont accordés sur le fait que ces actions ne seront à elles seules pas suffisantes sur les territoires et ont reconnu que la mobilisation de nouvelles ressources en eau sera nécessaire. Qu'il s'agisse de transfert d'eau, de stockage ou de réutilisation des eaux usées, traitées, tout en soulignant que cette mobilisation devra se faire dans le respect des milieux naturels, être adaptée aux spécificités des territoires et passer par un processus de concertation autour du partage de l'eau entre tous les usages. Or, en ce qui concerne le stockage de l'eau, je pense en particulier aux retenues collinaires, et le président Forel le connaît, c'est un sujet épineux en Haute-Savoie, et bassines, malgré la mise en œuvre des recommandations, l'obtention des autorisations environnementales et malgré le fait que très peu de conflits d'usage soient constatés, l'acceptabilité de cette solution est de plus en plus difficile et les recours contentieux et les ZAD se multiplient. Je m'interroge donc sur la manière dont nous pourrions rationaliser cette pratique, mais aussi apaiser le débat. Des pistes ont-elles été explorées pour ce faire et pour que l'opinion publique comprenne mieux les enjeux liés au stockage ? Existe-t-il, par exemple, un guide des bonnes pratiques à destination des collectivités ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Demilly. Merci, Monsieur le Président. Je suis ici, sur votre gauche.
Je souhaite... Merci, messieurs, pour vos interventions. Je voudrais aborder deux sujets concernant la gestion de l'eau, un assez technique et un plus général. Le premier sujet d'actualité m'amène à poser la question, effectivement un peu technique, de ce qui est potable ou non. En effet, les ARS recherchent régulièrement de nouvelles traces de pesticides lors de contrôles sanitaires, mais la limite de qualité, 0,1 microgramme par litre pour les métabolites, est uniquement une valeur environnementale et non une valeur sanitaire établie au niveau européen. Une eau contenant des teneurs en pesticides supérieures à 0,1 microgramme par litre est qualifiée de non conforme au regard de cette valeur environnementale, mais elle n'est pas forcément impropre à la consommation. Ces incohérences de lecture, on les trouve aussi d'ailleurs dans les réglementations concernant la valeur sanitaire maximale fixée par l'ANSES. Comment, messieurs, uniformiser ces réglementations et rassurer consommateurs et collectivités sur la qualité de leur eau ? La deuxième question est effectivement plus générale, puisqu'elle concerne le partage de l'eau, dont on a déjà beaucoup parlé, et notamment M. Burlot. On le sait, l'usage de l'eau pour l'agriculture notamment va s'intensifier. Mais là aussi, des incohérences se font jour. Je vais prendre un exemple précis. Chez moi, à Senlis-le-Sec, ça tombe bien pour parler de l'eau, c'est un village du département de la Somme, 3 forages agricoles ont été réalisés en 2021, alors que le captage de la commune est particulièrement vulnérable aux variations de nappe. La communauté de communes n'a pas été consultée dans la procédure d'autorisation des services de l'État, et la commune en a été informée, mais sans pouvoir de décision. Selon vous, messieurs, au-delà du problème de partage de cette ressource en eau entre l'agriculture, l'industrie et les particuliers, quels moyens de contrôle complémentaires doivent être mis en place pour donner un petit peu plus de pouvoir aux collectivités politiques ? Merci. Je vous propose de vous répartir les réponses parce que j'ai encore 7 demandes de parole. Donc, allez-y. Peut-être, moi, en réaction, là... à la réunion des présidents de comité de bassin, mais Thierry complétera, mais il se trouve que vous avez devant vous, Thierry et moi-même avons été sollicités par le Conseil national de l'eau et son président Jean Launay pour co-présider un des groupes de travail dans le cadre du plan eau qui devrait faire l'objet d'annonces gouvernementales, nous dit-on, fin janvier. Bon. Et nous avons acquis ces années durant quelques expériences des sujets de l'eau, et en particulier on a fait référence aux assises 1 et 2, petits et grands cycles de l'eau, suivis assez rapidement du Varenne dans la foulée. Nous nous y sommes engagés, mais nous avons tenté, voilà, humblement, d'ouvrir le dialogue dans le cadre de nos groupes de travail, parce que l'expérience passée vous avez quelque peu frustré, si j'ose m'exprimer de la sorte, puisque la méthode est toujours un peu la même. D'ailleurs, elle se ressemble beaucoup. Il faut aller vite. Pas plus de 2 à 3 réunions de groupe de travail pour ensuite passer éventuellement à des annonces. Vous comprendrez bien que face aux enjeux que l'on évoque ce matin... Je ne suis pas de ceux qui pensent que la réunionnite est forcément gage de réussite, mais parfois, savoir donner du temps au temps, pour reprendre une expression qui n'est pas de moi, vous l'aurez compris, peut s'avérer, somme toute, un peu utile. Et que, en matière d'eau, notamment, ça nous semble important en vue des enjeux. C'est pour ça que nous insistons vraiment beaucoup auprès de vous sur l'absolue nécessité, d'ailleurs, parmi toutes les interventions, on le voit bien, quand vous renvoyez à la réalité que chacun d'entre vous vit à l'échelle de son territoire, en termes de conflits d'usage, les forages agricoles, ici les bassines collinaires, bref, on pourrait multiplier les exemples, parce qu'on ne parle pas d'autres... Bon, on voit bien que s'il n'y a pas un document partagé à l'échelle des territoires par l'ensemble des acteurs, qui établissent les éléments stratégiques et de planification à moyen et long terme, nous allons être amenés et conduits à gérer les uns et les autres au coup par coup, souvent dans l'urgence et du coup souvent dans les tensions qui risquent de s'exacerber, des sujets dont on connaît par ailleurs, globalement en tout cas, les tenants et les aboutissants. Bien.
Et aujourd'hui, force est de constater que l'ensemble du territoire national n'est pas couvert par ces éléments de planification. Et donc, pour nous, il est important, nécessaire, que l'ensemble du territoire en soit pourvu, premier élément. Et deuxième élément, j'insiste là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé de la question du bassin versant, et je crois que chacun ici, dans ce que j'ai pu percevoir, aussi bien des propos du président que de l'ensemble des sénateurs qui se sont, sénatrices qui se sont exprimées jusque-là, tout le monde considère que ça, c'est un élément fondamental. Or, je pense, je vous le dis, nous le constatons parfois sur nos territoires, le fait, encore une fois, d'avoir institué la GEMAPI, que nous ne remettons pas en cause, entendons-nous bien, mais qui renvoie au bloc communal, ce que nous approuvons par ailleurs, mais qui ne fait pas l'objet d'un dispositif de gouvernance à l'échelle du bassin versant, et c'est là que, de notre point de vue, EPAGE et EPTB sont nécessaires, non pas comme un frein ou un élément supplémentaire, mais comme une garantie pour les élus locaux et l'ensemble des parties prenantes à l'échelle du bassin versant, que, notamment en ingénierie et en maîtrise d'ouvrage, il y ait une garantie par une gouvernance à cette échelle d'intervention cohérente, planifiée, en soutien aux collectivités locales et surtout qui s'assure qu'une intervention à l'amont et qu'une intervention à l'aval doivent se compléter et non éventuellement créer des difficultés supplémentaires. Et ce que je dis là, au-delà des questions, par exemple, de la prévention du risque inondation, vaut également sur les questions de soutien d'étiage, mais j'aimerais qu'on y revienne parce qu'on évoque beaucoup la GEMAPI. Je voudrais dire juste deux mots brièvement sur le hors GEMAPI, pardonnez-moi, et donc garantissent la solidarité qui, pour nous, est un élément fondamental. Moi, j'ai présidé Seine-Grand-Lac. Seine-Grand-Lac, c'est le PTB dont, historiquement, la vocation était de protéger la zone dense francilienne. Bien. J'ai eu... c'est chez nous, si j'ose dire, parce que ça s'étend. Bon, cet établissement, non, mais juste parce que, vraiment, je suis un militant de cette cause-là. Quand j'ai pris la présidence de cet établissement, inutile de vous dire que sur les territoires, en particulier ceux où étaient implantés nos lacs réservoirs, le traumatisme était encore dans certains de ces territoires énorme. Énorme, en particulier, si je peux me permettre, du côté de la Marne et de la Haute-Marne, parce que le lac du Der a vu 3 villages disparaître et rayés de la carte. Bien. J'ai tenu, mais vraiment, à associer à la gouvernance l'ensemble des territoires. Or, je rappelle que ça n'était pas le cas jusque-là, puisque seuls les 4 départements constituant la petite couronne, Paris compris, participaient de la gouvernance. Or, depuis, tous les territoires à proximité immédiate de nos ouvrages participent à la gouvernance. Et je suis profondément convaincu, encore une fois, que c'est à l'échelle des territoires et à l'échelle du bassin versant que les choses doivent se jouer. Donc, très clairement, oui, nous pensons qu'il faut... ou renforcer, ou obliger, ou favoriser, je ne sais quelle méthode ou quel terme retenir, mais en tout cas, l'obligation de couvrir le territoire de documents de planification et d'outils de gouvernance à l'échelle du bassin versant qui garantissent à l'ensemble des collectivités que la cohérence de l'intervention leur garantira les meilleurs résultats possibles en concernant la question du grand cycle de l'eau. Dernier point, le hors GEMAPI, j'attire votre attention, les eaux de ruissellement. Bon, voilà, une fois qu'on a posé une question, chacun fait comme il peut sur le sujet, mais en réalité, personne ne sait exactement qui doit faire, pas faire, comment, jusqu'où, et là aussi, à quelle échelle. Voilà, et la question, paradoxalement, pareil, un peu aujourd'hui orpheline, qui est la question du soutien d'étiage en période de sécheresse. Elle ne figure pas dans la GEMAPI. Or, chacun le sait, les scientifiques y compris le disent, on aura vraisemblablement des intensifications d'épisodes d'inondations, avec des effets bien plus importants qu'on a pu les connaître, et les derniers exemples en Europe de l'Est en témoignent. Hein, on dépasse parfois les centennales, dans un contexte d'urbanisation et de technologie qui, par ailleurs, nous rend paradoxalement plus vulnérables que nous ne l'étions même à Paris en 1910, ne serait-ce que les questions des réseaux. Et à l'inverse,
une intensification des épisodes de sécheresse et donc de nécessité de formes de soutien d'étiage. Or, ces deux éléments et les eaux de ruissellement, vous voyez aussi ce que cela induit parfois sur les territoires en termes de dégâts et d'approvisionnement, y compris des terres agricoles par endroits, sont là des angles un peu morts, puisque n'étant pas partie prenante de la GEMAPI, en termes, y compris de financement. Bref, mais en tout cas, je voulais aussi attirer votre attention là-dessus. Monsieur Burlot, en quelques minutes, pour qu'on puisse, parce que j'ai 8 interventions encore. Je vais essayer. On a beaucoup travaillé au Cercle français de l'eau, et d'ailleurs, je vous invite, mesdames et messieurs les sénateurs, à vous rapprocher du CFE si ça vous intéresse, parce qu'on essaye de réfléchir collectivement à toutes ces questions. Et quand je dis collectivement, c'est aussi bien avec nos amis de l'AMF, de l'ARF, de l'ADCF, des entreprises, d'EDF, pour essayer collectivement de faire des propositions. Et depuis quelques mois, on travaille sur faut-il une nouvelle loi sur l'eau. Alors nous, à l'inverse d'Amorce, on dit attention, surtout pas, hein. Le problème, ce n'est pas un problème de renforcer de la réglementation là où il y a plutôt un système qui est assez solide. Le problème, c'est de se dire où c'est que ça ne va pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer collectivement. C'est plutôt dans cet état d'esprit que l'on est. Et le grand soir, on n'y croit pas trop. Moi, je pense que l'une des difficultés qu'on a pour répondre à M. Chevrolier, c'est qu'on ne se comprend pas. Le monde de l'eau ne sait plus parler aux autres politiques. Et alors, on complexifie, parce que vous avez parlé de SAGE, de SDAGE, de PTGE, de PTB, d'EPAGE. Mais attendez, les gens vous disent, mais attends, d'abord, c'est quoi tout ça? Est-ce qu'on peut parler français un petit peu, là? Parce que je ne vous ai pas parlé d'HMUC et tout ça, hein? Ou du PEC. Moi je viens de voter un SDAGE. Je crois qu'il fait 10 kilos de papier. Personne ne va le lire. Et j'ai dit en plaisantant à mon directeur d'agence de l'eau, il faudrait qu'on écrive un SDAGE pour les nuls. Non, mais je ne plaisante pas. On ne se comprend plus, on ne sait plus de quoi on parle. Donc revenons à des choses simples. Et je pense que c'est important. Je profite pour dire que, heureusement qu'on avait des retenues cet été. Parce qu'on est en train de se dire, il ne faut surtout pas de retenues, etc. Mais heureusement qu'on en avait cet été. Pardon ? Il est heureux de vous l'entendre dire. Oui, et je vais même aller plus loin. Attention à toucher à EDF et à l'hydroélectricité. Parce que là, il y a un vrai sujet. Parce que la mise en concurrence peut détruire un système qui, aujourd'hui, fonctionne très bien. Hier, on a eu une présentation de ce qui s'est passé sur la Durance grâce au soutien d'étiage effectué par EDF et ses barrages hydroélectriques. Et la cohérence d'action publique qu'il y a là, imaginez demain une mise en concurrence qui pourrait ruiner tous ces efforts. Donc j'en profite pour vous dire ça, c'est très important, cette histoire d'hydroélectricité et de savoir-faire français autour d'EDF. J'essaie d'aller au plus vite dans mes réponses parce que c'est tellement compliqué. Hein. Vous dire, Sainte-Soline, c'est chez nous. Enfin, c'est chez nous, c'est sur Loire-Bretagne. Vous savez que le comité de bassin que je préside, qui regroupe 180 personnes, mon cher Rémi, n'a même pas été sollicité sur le sujet de Sainte-Soline. Il faut le faire quand même. Hein. On a mis à feu et à sang un territoire, et le comité de bassin, qui est censé appliquer le SDAGE, réfléchir à ces questions, n'a même pas été sollicité. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand même. Hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que chacun travaille dans son coin. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Sainte-Soline n'est que le résultat d'un non-dialogue dans les territoires. Et d'une certaine forme, moi, je suis très surpris de voir des gens très modérés avoir des positions très, très, très fortes sur ce sujet, sans même connaître le fonctionnement de la bassine, rien. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas comment ça fonctionne. Alors que sur le fond, c'est un truc intéressant. Mais on n'arrive même pas, vous l'avez dit, à expliquer ce qu'on va faire. Alors, moi, je vais vous dire, Sainte-Soline, comme les autres, ça ne pourra pas se faire s'il n'y a pas un État fort et des territoires à côté forts. Parce que vous avez entendu beaucoup d'élus soutenir Sainte-Soline? Personne. Personne n'ose aller sur le sujet. C'est tellement compliqué. La deuxième chose, c'est qu'il faut que
le projet soit public et sous contrôle public. Parce que sinon, c'est une forme d'accaparation d'une activité sur un bien commun. Et pour vous dire mon sentiment, je pense que le stockage ne peut passer que par une gestion publique et collective et multi-usage. Sinon, ça sera de l'accaparation. Donc, faisons très attention. Alors, j'ai eu la COP de l'eau, parce qu'on a pris une motion, monsieur le sénateur, on a pris une motion l'autre jour au comité de bassin, que l'État, d'ailleurs, n'a pas voté. Incroyable. Condamnant les violences, rappelant le dialogue et disant qu'il fallait qu'on travaille ensemble. C'était quand même... Le B.A.B.A. Ben, l'État, membre du comité de bassin, s'est abstenu. Vous rendez compte, c'est incroyable, ce truc. Mais enfin, bref. C'est incroyable. Et encore une fois, je pense qu'il va falloir partager. Et qui dit partage, dit attention. Donc, il y en a pour tout le monde. Tout le monde va devoir faire des efforts, y compris le consommateur. Ah, bien sûr. Le consommateur, l'industriel. Mais il faut des lieux de partage, de concertation et de projets collectifs. Et ça, ça peut se faire que si on a un État qui est fort, bien sûr, mais aussi des territoires qui se mobilisent sur le sujet. Et l'une des dernières conférences qu'on a fait sur le cercle français de l'eau, c'était de dire, est-ce qu'on va avoir le courage politique d'y aller? Parce que la question, elle est là. Parce que derrière les questions de quantité, il y a les questions de qualité. Et moins vous avez d'eau, plus elle est dégradée. Et Gérard Lahellec, qui connaît bien la région Bretagne, et Nadège, j'ai fait le calcul en Bretagne. Aujourd'hui, on consomme 240 millions de mètres cubes d'eau. On annonce la Bretagne à 4 millions d'habitants. Eh bien, il nous manque entre 50 et 60 millions de mètres cubes d'eau. C'est la consommation totale du département des Côtes d'Armor. Et vous savez, la Bretagne, c'est le massif armoricain. Il n'y a pas d'eau souterraine. Alors, on peut dire plein de choses, des solutions fondées sur la nature. Tout ça, ça sera à faire. Préserver les zones humides, etc., etc. Mais ceci dit, au bout du bout... Il vous fera stocker de l'eau. Parce que l'eau, si vous n'en avez pas, c'est le développement économique que vous impactez. C'est la capacité de construire ou de développer vos cités qui est en cause. C'est la capacité d'épurer. C'est la capacité de produire de l'énergie. Même si, encore une fois, j'ai une différence d'approche avec Armors, parce que la centrale nucléaire, elle capte l'eau, évidemment, mais elle la rejette. Hein. Donc, il faut faire attention. Elle la capte, mais elle la rejette. Donc, vous voyez, il faut que collectivement, on porte ce dossier. Je crois que la réponse ne peut être que collective. Et pour répondre à M. le sénateur, normalement, il y a des périmètres de protection. Hein. La règle veut qu'il y ait des périmètres de protection de captage autour des forages et que les prélèvements qu'il pourrait avoir autour seraient sous contrôle. Mais là, encore une fois, ça montre la faiblesse des dispositifs réglementaires face à l'enjeu qu'on vit. Et sur les pesticides, je suis d'accord avec vous. Mais on a quand même un système sanitaire qui fonctionne pas trop mal en France. L'eau du robinet aujourd'hui, elle est quand même, somme toute, de très bonne qualité. Oui. Et ça, on finit par l'oublier, quoi. Et je pense que le débat qu'il y a eu sur les normes, sur les métabolites des pesticides, nous a fait à tous très mal. Et encore une fois, ça montre la difficulté qu'on a aujourd'hui entre l'application de la DCE, l'ARS, l'ANSES, les nouvelles normes. On sort des seuils, après on revient dessus parce qu'on se rend compte de la difficulté de les mettre en œuvre. Mais entre-temps, eh ben on a fait peur à nos consommateurs. On a fait peur à nos consommateurs. Donc je pense qu'il faut aussi là dire les choses. L'eau au robinet, elle est de qualité. On a des collectivités qui savent faire, on a des entreprises qui savent faire. On a un prix de l'eau, monsieur le Président, qui est somme toute acceptable au regard... Vous savez, l'autre jour, pour faire le lien entre eau et énergie, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelqu'un qui disait, vous ouvrez le robinet, un mètre cube d'eau, bon, vous allez le payer 2-3 euros le mètre cube, mais vous faites rentrer dans la maison chaque année 70 tonnes de ressources naturelles par foyer. Puisqu'un mètre cube d'eau, c'est une tonne, vous faites rentrer 70 tonnes. Vous vous rendez compte que l'énergie... Et l'usage que vous apportez aux consommateurs, et tout ça pour 3 euros le mètre cube. Ben, je crois qu'il faut revenir à des choses simples comme ça. Merci, je ne voudrais pas faire un mauvais jeu de mots, il faut être sage. Quoi. Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour ces informations.
Moi, je suis élu d'un département qui est traversé par la Loire. Et comme bon nombre de départements dans cette salle, on a connu une sécheresse extrême cet été. L'étiage de la Loire est bas. Beaucoup de cours d'eau sont à sec. Une majorité de stations hydrométriques présentent des débits inférieurs de 75% par rapport au normal. Ces évolutions sont malheureusement conformes aux prévisions des experts du BRGM, qui estiment que le débit des cours d'eau devrait diminuer de 10 à 40% d'ici 2070. On voit que l'eau constitue un marqueur incontournable du dérèglement climatique qui mérite toute notre attention. Donc on a bien entendu vos explications, mais aujourd'hui, l'heure va être à faire des propositions. Avez-vous travaillé à la création d'outils communs, de prospectives, permettant d'anticiper les futurs manques d'eau à court et à moyen terme? Et d'autre part, lors du dernier congrès d'Amorce, monsieur le représentant d'Amorce pourra nous répondre, Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'écologie, a annoncé une feuille de route à paraître en janvier prochain qui s'inspirera des travaux des assises de l'eau. Ce serait intéressant de connaître les propositions qui seront formulées. Est-ce que vous en connaissez les grandes orientations de ce document? Avez-vous été consulté par le ministère? Ce sont des approches que les acteurs locaux attendent avec impatience. Et puis, je voudrais vous poser une question. Quelle est votre approche d'une gestion sobre de l'eau? Parce qu'aujourd'hui, se pose la question de la gestion de l'eau qui devient de plus en plus rare. Alors, vous avez parlé des petits cycles, du grand cycle. Sur les petits cycles, notamment, on propose aux particuliers un accompagnement. Est-ce qu'on propose un accompagnement spécifique aux particuliers qui souhaitent réutiliser leurs eaux usagées, récupérer l'eau de pluie ou encore réduire l'imperméabilisation? Est-ce qu'il y a là-dessus des travaux qui sont en cours et des plaquettes pédagogiques en cours de réalisation? Ça me paraît important. Et puis, sur le grand cycle de l'eau, on ne pourra pas évacuer la question des modèles économiques. Vous avez parlé tout à l'heure d'un bien commun, de l'eau. Et sur les modèles économiques, il y a notamment la question agricole. Est-ce que ces questions sont abordées dans vos organismes pour gérer au mieux la ressource en eau dans les années qui viennent? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Je donne la parole à M. Gold. Merci, Monsieur le Président. Merci aux différents intervenants. Alors, dans un contexte où le législateur a fixé un rythme d'artificialisation des sols divisé par deux pour 2030, on a aujourd'hui finalement deux visions d'aménagement. Avec d'un côté des collectivités plutôt rurales qui s'emploient à contourner l'obligation faite par la loi climat et résilience avec le motif de continuer à bénéficier d'un certain nombre de permis de construire pour accueillir de nouveaux ménages, synonyme de maintien ou de développement de population. Et puis d'autres collectivités plus urbaines qui vont en profiter pour reprendre la main peut-être sur la maîtrise de leur foncier avec des aménagements plus sobres et une politique de logement qui intègre finalement une stratégie de sol vivant et une réelle réflexion sur l'eau et la biodiversité. Alors la gestion de la compétence eau, elle est donc très liée à ces stratégies d'aménagement. Les dernières élections municipales ont été l'occasion justement avec de nouveaux élus de mettre à jour de nouvelles initiatives et de nouveaux projets de territoire. Parmi eux, parmi ces projets de territoire nouveaux, voyez-vous de nouvelles pratiques qui associent plus les acteurs de l'eau, avec des architectes, des paysagistes, des urbanistes qui envisagent la gestion de l'eau de manière globale, c'est-à-dire des aménagements qui prennent en compte la protection de la ressource jusqu'aux différents usages, en passant par la distribution et la prévention des inondations, voire la gestion des eaux pluviales. En un mot, c'est quoi pour vous finalement aujourd'hui un aménagement réussi? Merci. Je donne la parole à Rémi Pointreau. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, tout d'abord, j'ai apprécié le pragmatisme de notre président Thierry Burlot sur les problèmes de l'eau. J'avais un certain nombre de questions à poser. Tout d'abord, sur la continuité écologique de nos rivières, puisque notre collègue Guillaume Chevrollier avait déposé un amendement sur la protection des moulins. Et de ce fait, donc, les agences de l'eau, aujourd'hui, refusent d'aider leur mise aux normes, et notamment les passes à poissons, en leur disant qu'ils se débrouillent, puisqu'ils ont voulu être protégés. Maintenant, comme c'est du domaine privé, on ne les aide plus. Ça, c'était la première question. Maintenant, il y a un problème aussi sur la gouvernance. Ça a été dit, on est dans une grande complexité
au niveau de la gestion de l'eau avec les clés, les sages, les pages, le PTGE, il y a une complexité. Et d'autre part, c'est très chronophage aujourd'hui de s'occuper de l'eau. On voit bien qu'il y a une multitude de réunions. Ce n'est pas mon président qui va me contredire. Je note qu'il y a aujourd'hui, et ça c'est le point de vue d'un certain nombre d'élus, une surreprésentation des organismes et associations environnementales qui sont financées par les collectivités, qui ont à la fois des moyens mais aussi du temps par rapport aux élus pour se consacrer au domaine de l'eau. Ils sont très présents et je pense qu'il faudrait revoir la représentation au niveau de la gouvernance des agences de l'eau. Concernant le périmètre géographique et le périmètre politique qui ne correspond pas au périmètre politique, et je rejoins tout à fait les propos de Thierry Burlot, on ne peut pas continuer à avoir des bassins qui représentent, comme l'agence de Loire-Bretagne, qui représente 30% du territoire, avec un budget de 380 millions d'euros, et des bassins qui sont beaucoup plus petits et qui ont le double ou le triple de financement. Et je pense qu'il va falloir qu'on étudie la possibilité d'une solidarité nationale de l'eau et peut-être une péréquation, je ne sais pas comment, donc par quel moyen, mais je pense que ça me paraît important. Sur l'effort du grand cycle, il est évident qu'il faut travailler sur la sobriété, mais moi, je rappelle quand même qu'il y a un sujet qui est inquiétant, puisqu'on a aujourd'hui 1 milliard de mètres cubes d'eau qui est perdu par les canalisations d'eau potable. Ça représente, pour une comparaison qui me paraît intéressante, 2000 bassines du type de Sainte-Soline, 2000 bassines. Donc, il faut relativiser un petit peu les choses et je pense qu'on a intérêt à revoir un petit peu le problème des retenues. Et ça, c'est vrai qu'on les a laissés tomber. Moi, je pense au grand barrage aussi. Est-ce qu'il ne va pas falloir refaire une politique de grand barrage? On a abandonné Chambonchard sur le Cher à une époque. Et aujourd'hui, cette année, on n'aurait pas eu de problème si on avait eu ce grand barrage. Sur les conflits d'usage qui ont été évoqués, on fait beaucoup de concertations. On fait beaucoup de communication, il y a du dialogue. C'est vrai que le problème, c'est qu'on a parfois du dialogue de sourds et de malentendants, parce qu'on a une certaine catégorie, et je pense aux zadistes, mais aussi aux écologistes radicaux, qui de toute façon ne changeront jamais d'avis sur le sujet de l'eau. Ils ont leur point de vue et on n'arrivera pas à les convaincre. Comment on fait? Moi, j'avoue que je suis assez dubitatif là-dessus. Le partage de l'eau, c'est vrai qu'il faut le faire, mais il faut qu'aussi on soit entendu par les uns et par les autres. La GEMAPI qui a été évoquée par M. Molossi, moi je vous rappelle quand même qu'au Sénat, on a réussi à voter un amendement avec Mme Gouraud, et c'est moi qui étais dépositaire de cet amendement, pour faire en sorte qu'il y ait une solidarité par bassin et par bassin versant, puisqu'on a proposer de faire une expérimentation avec les établissements publics, et notamment EPL, l'établissement public Loire, qui aujourd'hui refuse cette expérimentation. Donc je pense qu'il va falloir passer à l'obligation, parce qu'on ne peut pas continuer à travailler avec du saucissonnage, comme vous l'avez dit, sur des bassins versants où les EPCI qui ont les moyens feront des digues, les autres pas. Donc ça veut dire que c'est complètement incohérent et on ne pourra pas travailler sur une protection des berges de nos bassins versants. Donc voilà, moi, j'avais toutes ces questions et un certain nombre de réponses que nous avons pu faire au Sénat. Moi, pour moi, l'eau doit payer l'eau. Ça, c'est un principe de base. On l'a démontré en essayant d'augmenter le fonds mordant qui, à mon avis, va être rejeté et a été rejeté peut-être déjà par le 49.3, d'après ce que j'ai compris. Mais si on veut avoir des moyens, il faut aussi que les agences de l'eau puissent avoir un fonds mordant qui soit un peu surélevé, puisque la biodiversité, l'OFB, est financée par les agences de l'eau et c'est 400 millions d'euros
quand même, qui sont financés par les agences de l'eau sans moyens supplémentaires. Merci Rémi. La parole est à Madame Bonnefoy. Oui, merci le Président. L'association Amorce a formulé lors de son dernier congrès plusieurs propositions intéressantes, comme la mise en place d'une filière REP eau en vue de faire face au coût du traitement des pesticides agricoles. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement au vu des travaux que j'ai déjà pu mener dans le cadre d'une mission d'information sur le sujet qui plaidait pour un encadrement plus strict de l'utilisation des produits phytosanitaires. J'ai d'ailleurs défendu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 l'idée d'une redevance pour pollution diffuse pour soutenir le service public de la gestion de l'eau. Donc pour le moment, le gouvernement semble dépassé par le sujet, alors que pleuvent les études alarmantes sur la qualité de l'eau, présentant des résidus de pesticides parfois interdits depuis plus de 20 ans, comme l'atrazine, et c'est le cas dans mon département, en terre viticole en particulier. N'y a-t-il pas, et la question a déjà été abordée par mon collègue tout à l'heure, il n'y a pas eu vraiment de réponse, n'y a-t-il pas un travail à faire sur la question des seuils acceptables ? Aujourd'hui, si un métabolite dépasse la limite de qualité, l'eau est jugée non conforme, ça a été dit, sans pour autant être interdite à la consommation, ce qui bien évidemment pose de nombreuses questions aux usagers de l'eau. Par ailleurs, avez-vous également travaillé sur l'étendue de notre ignorance en matière de particules présentes dans l'eau ? L'INERIS, donc, qui est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, estime que plus d'une vingtaine de pesticides ou métabolites ne possèdent pas de valeur sanitaire, ce qui pose évidemment question. Donc, comment poser des limites, des seuils à des produits dont on ne connaît pas la dangerosité effective sur la santé humaine et environnementale ? Quels sont vos liens avec l'ANSES ? La question a été posée tout à l'heure également. Et est-ce que vous réfléchissez à un nouveau partenariat ? Merci pour vos réponses. Merci. Madame Préville. Merci, Président. Merci d'abord pour vos présentations. Alors, je vais aller dans le même sens de ma collègue. Et je tiens à dire d'abord que je représente le Sénat au comité de bassin à Dour-Garonne. Et effectivement, alors on a un comité de bassin demain matin auquel je participerai pour déjà dire qu'effectivement, ce que vous avez mentionné est particulièrement prégnant en Occitanie, notamment, avec moins 20% de pluviométrie déjà actée, ce qui sera le cas sur tout le territoire national, mais qui sera beaucoup plus important chez nous, et avec des températures de la Garonne qui flirtent avec les 30 degrés tous les étés, ce qui rend évidemment très difficile le fonctionnement de la centrale de Golfech, puisque si l'eau est prélevée, elle sert à refroidir et elle ressort plus chaude, et que donc si sa température est trop élevée, on ne peut pas refroidir correctement une centrale nucléaire. Donc il y a également un vrai sujet. Alors moi, je voulais revenir sur la question de la qualité. Et effectivement, comme ma collègue, pour vous dire que ce que l'on ne recherche pas comme polluant, comme micropolluant, on ne risque pas de le trouver, effectivement. Et que la chimie s'est énormément développée ces dernières années. Les mises sur le marché de nouvelles molécules chimiques sont en expansion exponentielle. Nous avons réalisé avec le comité de bassin un colloque sur les micropolluants de l'eau le 11 juillet dernier à Bordeaux. Et donc, les interventions des professeurs de chimie nous ont informés bien de ce sujet, qui est un sujet qui est un impensé jusqu'à présent et qui est un sujet émergent, effectivement, dont il faut absolument se préoccuper. Et certes, la qualité de l'eau est bonne, mais certaines choses ne sont pas recherchées. Et puisque j'ai fait un travail sur la pollution plastique, notamment les microplastiques, et il faudra s'y pencher, il faudra trouver des financements, il faudra trouver des moyens pour faire en sorte que cela n'arrive pas chez les consommateurs, cette eau polluée avec ces particules, et donc certainement des moyens financiers à mettre en œuvre, et puis également du législatif à faire pour limiter cela. Mais j'ai un autre sujet aussi à vous soumettre, puisque je reviens d'un déplacement avec le Sénat au Maroc, et notamment puisque nous avons rencontré le ministre de l'Équipement et de l'Eau. Donc il y a un ministre de l'Équipement et de l'Eau au Maroc. Et c'est vrai que son intervention, quand nous l'avons rencontré, était particulièrement intéressante pour nous, puisqu'au Maroc, il y a par exemple une politique nationale, générale, sur tout le territoire de l'eau,
avec une gestion SS qui correspond au grand cycle de l'eau. Et peut-être qu'effectivement, nous pourrions envisager, nous, à l'avenir, alors ça va être très complexe, je vous l'accorde, une politique chapeau, en quelque sorte, de l'eau. Alors, comment la mettre en œuvre, puisque nous allons avoir des communes, des territoires qui vont subir de grandes sécheresses. Il y a la question des soutiens d'étiage, donc approvisionnement en eau et soutien d'étiage. Et peut-être qu'il faudra que l'on mette plus en avant le fait que l'eau, c'est vital, effectivement, pour l'agriculture, pour tout le monde, pour les industriels également, et en quelque sorte mettre en avant cette priorité absolue. Alors certes, cet été, c'était une petite alerte, mais l'alerte, elle est là, et peut-être que nous aurons à changer beaucoup de choses sur notre politique de l'eau. Comment voyez-vous ça, et comment envisagez-vous, alors, à la fois l'histoire de ces micropolluants de l'eau, quelle est votre sensibilisation sur ce sujet-là, et sur la mise en œuvre d'une politique chapeau, enfin moi je l'appelle comme ça, une politique chapeau, parce que je trouve que ce serait marqué, et puis ce serait faire face à la réalité qui est devant nous. Voilà. Merci, la parole est à Madame Avey. Monsieur le Président, effectivement, on va avoir des objectifs en termes de transition écologique et pour atteindre les baisses de prélèvements, il va falloir un consensus sur l'eau, ce qui représente un enjeu national et territorial. Cela va passer par un effort de démocratisation, d'éducation et de communication ciblée et continue sur les usages et les priorisations. Tout à l'heure, on a parlé d'un stage pour les nuls. Donc, ma question est la suivante. En fait, selon vous, comment rend-on plus compréhensible et lisible une politique publique aussi essentielle que celle-ci? Comment associe-t-on au mieux l'ensemble d'une population à la gestion durable de l'eau? Et avez-vous pu identifier des pratiques vertueuses en la matière et au niveau du bassin de vie et au niveau des collectivités? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Fabien Genet et après... Madame Filleul, et vous aurez le loisir de répondre. Il faut qu'on ait terminé à 12h15 parce qu'après, j'ai des questions diverses. Bien, alors je vais très vite, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole. Merci, messieurs, pour vos interventions. Je crois que nous partageons tous à la fois la prise de conscience sur ces enjeux et les inquiétudes, même si c'est vrai que ce matin, après tout ce que je viens d'entendre, j'avais un peu l'impression que c'était les mercredis du désespoir. Heureusement, il y a eu quand même quelques paroles plus... pleine d'espoir et c'est vrai que lorsqu'on regarde sur le terrain, lorsqu'on a quelques cheveux blancs et qu'on voit les évolutions dans sa commune sur le traitement de l'eau depuis ces 25 dernières années, il y a tout de même eu un certain nombre de progrès de réaliser, d'investissements d'engager, de prise de conscience également sur les rendements. Donc je pense qu'il faut rappeler tout de même les progrès que nous avons marqués sur ce domaine. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je voudrais peut-être des précisions sur la gouvernance et le financement. Est-ce que finalement, cette idée d'avoir une gestion par spécialisation thématique, finalement, où on crée ou on renforce des structures dédiées, est-ce que finalement, ce n'est pas un peu contradictoire avec ce que vous disiez au départ sur le fait que les différentes gouvernances des problématiques ne se parlent pas? Vous parliez du sage qui ne parle pas au SRADET, etc. Est-ce que finalement, si on disait demain que le département, qui finalement a prouvé sur beaucoup de sujets à la fois sa proximité, sa capacité d'intervention et sa légitimité, si on disait que le département porte la politique de l'eau et doit finalement susciter ces débats, ce dialogue et ces programmes d'investissement, est-ce que finalement ce ne serait pas plus intéressant puisque le département a plein d'autres compétences, y compris sociales, voire économiques, si on veut avoir une acceptation très, très large. Est-ce qu'il n'y a pas une piste là quand même de réflexion? Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur le financement, vous excuserez l'élu du Charolais que je suis d'en faire appel au bon sens. Est-ce que... au-delà de toutes les gouvernances, de toutes les réunions, les symposiums que l'on peut faire, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, s'arrêter sur un élément d'évaluation? Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, depuis 10 ans, quel nombre de kilomètres de réseaux d'eau ont été subventionnés par les agences de bassin et avec ce critère,
quelle amélioration du rendement on a réalisé. Parce que lorsque on parle avec les élus dans les syndicats, souvent on entend parler d'un désengagement des agences de bassin, de choses qui étaient subventionnées il y a 10 ou 15 ans qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc est-ce que finalement, la première, c'est un peu ce que disait Rémy Pointreau, une bonne solution pour économiser et être sobre, est-ce qu'il ne faudrait pas investir largement dans l'amélioration des réseaux? Et puis, enfin, il y a une autre question qui parcourt beaucoup d'esprit ici au Sénat, c'est le fameux débat sur la compétence eau assainissement commune, intercommune. Est-ce que sur ce point, vous avez une opinion? Un certain nombre de choses ont déjà été dites, mais un peu en même temps. Donc, est-ce que vous pourriez clarifier votre position sur le sujet? Merci. Merci, Madame Filleul. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants également pour la qualité de leurs interventions. À ce stade, beaucoup de sujets ont déjà été évoqués par mes collègues. Je vais donc poser très brièvement les sujets que je voulais évoquer, à savoir, comme M. Pointreau, par exemple, la question du gaspillage de l'eau, puisque 20% des 5,1 milliards de mètres cubes en distribution sont perdus chaque année en cours de route, soit la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants. Moi aussi, je voulais dire que la priorité en matière de sobriété me semblait être la rénovation et l'entretien des réseaux d'eau. Est-ce que ce sujet ne doit pas être davantage mis en avant, mis en exergue dans toutes les communications que nous faisons? Ensuite, je voulais évoquer la question des événements extrêmes. Très brièvement, vous avez parlé des inondations, des sécheresses, forcément. Mais on n'a pas évoqué les communes qui sont confrontées à l'augmentation du niveau de la mer et qui tentent, avec souvent l'aide des départements et des régions, d'avoir des moyens de résilience naturelle. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une sorte de grand projet national à avoir pour résoudre ces problèmes? Nos voisins du Nord sont bien, bien en avance sur nous sur ces questions-là. Merci. Donc, on se dit 12h15, 12h20 maximum. Je vais donner la parole au représentant d'Amorce et puis après vous... Hein? D'accord, merci. Merci. Globalement, si je suis l'ensemble des réactions, on est tous en alerte sur le niveau des ressources et des prospectives. Alors, je vais essayer de répondre à plusieurs points techniques avant d'arriver à un avis un peu plus global. Monsieur le sénateur Bigot demandait, est-ce qu'il existe des outils de prospective? Oui, il existe des prospectives, les fameuses études HMUC qui évaluent les ressources hydriques en fonction de l'évolution du changement climatique. Notre proposition là-dessus, c'est de les généraliser justement au niveau des SAGE. On a parlé du SAGE et de la généralisation du SAGE qui pourraient, eux, avoir une vision prospective sur de la trajectoire des ressources pour pouvoir se fixer des partages des usages sur le périmètre de chaque SAGE. Il nous semble important aussi que les autres outils de planification d'aménagement, donc on a parlé de SRADET, on peut parler du SCOT aussi, qui est cet outil qui centralise justement beaucoup d'outils de développement de territoire. Il faut que l'ensemble de ces outils prennent en compte l'évolution des ressources d'ici 20 à 50 ans. On ne peut plus voir se développer des zones économiques ou des zones d'aménagement ou des zones d'agriculture gourmande en eau sur des territoires qui sont déjà critiques. L'autre question sur le suivi des consommations et notamment les remontées, l'exemple des trois nouveaux captages qui ont été établis et sur lequel le maire n'a pas du tout été sollicité. Un autre objectif dans le cadre de la loi, c'est justement de faire de manière plus fréquente l'évaluation des zones de répartition des eaux. Ces zones, c'est ces zones qui définissent les seuils d'autorisation et de déclaration des prélèvements. Donc là, on rentre dans le technique, mais on sent bien qu'il y a un problème de remontée des informations des prélèvements dans les ressources. Et du coup, nous, on insiste sur le fait que
il faut des remontées de prélèvements systématiques, que ce soit sur des forages agricoles ou que ce soit aussi à étendre au plus large justement la télérelève qui permet de suivre les fuites après compteur chez les individus. Parce que vous avez beaucoup parlé des fuites du réseau. Celle-ci, on arrive à la mesure, on l'évalue, on a des indicateurs qui le suivent. Les fuites après compteur sont toujours des domaines un peu compliqués à évaluer. Je voudrais revenir sur les questions des pollutions diffuses. Oui, nous sommes complètement impliqués et concernés dans ces questions-là. Nous n'avons pas, nous, amorce de partenariat avec l'ANSES. On ne remet pas en compte la qualité d'analyse de l'ANSES. Seulement, ce qu'on observe, c'est que les seuils, les molécules concernées et les fameuses Vmax fluctuent dans le temps. Et on observe un deuxième phénomène qui est que des produits qui étaient déjà interdits depuis plusieurs dizaines d'années réémergent dans le sol. Donc, il y a un cycle long. Donc, ce qu'on propose en termes d'objectifs, c'est bien sûr sur les aires d'alimentation des captages, de limiter largement les intrants. Mais par ailleurs, souvent, on a tendance à dire qu'il faut que du préventif en termes de politique sur les micropolluants. Toutes les collectivités qui sont non conformes, comme vous l'avez vu sur l'eau potable, sont confrontées à des problèmes de curatif. Donc, il faut du financement aussi pour financer des étapes de traitement curative, puisqu'on est sur des phénomènes long terme. Enfin, nous, la proposition, elle est d'élargir les redevances. Le financement, tout ce que vous avez vu et tout ce qu'on a pu partager, en effet, ne répond pas et ne peut plus reposer à 80% sur la facture de l'usager domestique. Il faut réévaluer les redevances des agences de l'eau, c'est-à-dire qu'avoir intégré le grand cycle, c'est que l'eau et la biodiversité payent l'eau et la biodiversité. Et aujourd'hui, on a un déséquilibre en termes de recettes et de redevances. Il y a un déséquilibre dans les aides, vous en avez parlé aussi. Il nous semble important que si on demande des efforts de limitation d'usage à chaque usager, il faut aussi une révision du partage des financements et d'intégrer une nouvelle redevance qui repose sur les micropolluants. Les micropolluants, on en parle, on évoque, et dans le colloque de Bordeaux de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, c'était très intéressant, on partage de nombreuses solutions d'expériences, de sensibilisation. Mais aujourd'hui, on n'a pas parlé financement sur les micropolluants. Donc, on incite vraiment à créer une responsabilité élargie des producteurs, à l'instar des produits phytosanitaires. Il faudra conclure, s'il vous plaît. Oui, à l'instar des produits phytosanitaires qu'on a dans les agences de l'eau, on pourrait voir aussi une nouvelle redevance micropolluant qui permettrait justement de financer notamment une partie du grand cycle de l'eau. En tout état de cause, nous, sur l'ensemble des mesures qu'on propose, on ne propose pas le grand soir, mais bien des mesures pragmatiques avec des objectifs chiffrés. Et je pense que c'est ce qui nous permettra d'avancer dans l'enjeu de partage des ressources qui est critique aujourd'hui. Merci. Je vais donner la parole à M. Forel. Oui, mesdames, messieurs, on voit à travers le nombre de questions que vous posez et vous avez mesuré l'ampleur des sujets et la quantité des sujets. Et je crois que quand on est face à un défi comme celui-là, avec cette complexité, la première chose qu'il faut essayer de faire, c'est de savoir qui peut jouer quel rôle et à quel endroit. Sur la question des normes sanitaires, ça relève pleinement d'un travail qui est propre à l'État. L'établissement de la règle dans laquelle on doit maintenir la fourniture de l'eau. Dire quel est le bon seuil et à partir de quel moment il est possible de la donner aux citoyens ou pas. Et ça doit être quelque chose qui est la même sur l'ensemble du territoire national. Les établissements publics de bassin ne peuvent pas faire ce genre de travail. C'est un travail normatif. Ça, c'est un travail qui appartient à l'État. Et donc, comme nous appelons qu'un travail soit fait dans ce sens afin que les choses soient éclaircies. La question environnementale est devenue une question d'opinion de plus en plus prégnante. Et y compris sur ces questions normatives,
il ne passe quasiment pas un jour sur les questions de pollution de l'air, sur les questions de pollution de l'eau, où une nouvelle norme apparaît. Je ne vous parle pas des questions de transfrontalières comme dans mon territoire, où on a des échanges d'eau avec la Suisse qui n'a pas le même type de réglementation, notamment il n'y a pas longtemps sur une question liée au perchlorate. Donc, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. Le normatif, à mon sens, c'est quand même bien à l'État de le faire. En revanche, et il y a une question qui a été posée sur les PTGE, nous défendons avec force, et vous qui êtes le représentant des élus de territoire et de la démocratie de proximité, que l'eau est une question qui se traite au plus près du territoire. Et que la création d'établissements publics de bassins, qu'on les appelle EPAGE, qu'on leur donne tous les noms qu'on veut, n'est pas si important que ça. Un établissement public de bassin qui s'occupe du grand cycle et de sa coordination avec le petit cycle, qui soit laissé aux mains des élus de proximité, ceux qui sont auprès du territoire, et qui, à travers un document renforcé dans sa capacité réglementaire, qui est le SAGE, décide, associé à une clé, décide de ce qui se passe sur le territoire en conformité avec ce que, dans un comité de bassin plus grand, on est capable d'établir. Si on arrive à donner cette existence-là et cette force-là, nous résoudrons beaucoup de problèmes. Et les différences de pollution, de pratique, de nécessité qui s'expriment dans les territoires, que ce soit sur les questions des territoires littoraux ou des territoires de montagne comme le mien, où les problèmes ne sont pas du tout les mêmes, où ce qu'une bassine peut se trouver ou qu'une retenue collinaire peut se trouver en montagne n'est pas du tout la même chose que ce qui peut se passer en plaine, où certains barrages peuvent être installés lorsque c'est nécessaire. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de barrages ont du mal à se remplir. C'est là que le lien entre le grand cycle et le petit cycle est important à comprendre. Mais toutes ces particularités ne peuvent être conçues, abordées qu'à travers une présence locale forte. Je rappelle qu'une commission locale de l'eau est aussi un outil efficace pour régler les problèmes de conflit. Autour d'une commission locale de l'eau, on pourra discuter de son équilibre de représentation, c'est toujours un vrai débat, mais tout de même, tout le monde est là. J'ai, moi, signé un SAGE où le représentant de FNE a signé comme nous, comme les élus, comme les maires et comme les présidents de Comcom. On a signé avec lui le même document. On a mis longtemps à le mettre au point. Mais il est évident qu'en tout cas, dans mon territoire, il était compliqué à la FNE de venir contester un dossier qui avait été accepté dans une commission où elle siégeait, même une vice-présidence. Donc, on est en capacité, dans ces endroits-là, de résoudre et de désamorcer un certain nombre de conflits. À côté de chez moi, la Clusaz, alors elle n'est pas aussi célèbre que celle de Sainte-Soline, mais à la Clusaz, il y a un problème qui est en train de se passer de la même manière. Il se trouve que sur ce bassin versant-là, il n'y a pas cet établissement-là. Donc, je vous appelle à renforcer réellement cet établissement public de bassin qui porte la démocratie locale et à l'appuyer principalement sur le bloc local. Sur la question de la compétence eau et assainissement, les effets d'échelle sont essentiels pour la sécurité des approvisionnements et pour la capacité à amener de l'ingénierie. Très vite, beaucoup de territoires ont monté la compétence à l'intercommunalité. Mais ce qui est plus important surtout, c'est que d'être à des échelles qui sont des échelles qui permettent de répondre aux défis qui sont devant nous en termes de quantité, aussi bien en ingénierie qu'en diversification de la ressource. Et ça fonctionne, mais le lien avec le grand cycle est là aussi essentiel. Il y a des questions qui ont été posées sur l'aménagement. Oui, monsieur le sénateur, nous voyons dans les nouveaux élus des gens qui proposent des approches d'aménagement intéressantes. Et oui, les établissements publics de bassin travaillent sur ces sujets, apportent des solutions, aident les collectivités à mettre en place des schémas de cohérence de traitement de l'eau pluviale, soutiennent des opérations qui permettent de désimperméabiliser les sols, favorisent les infiltrations d'eau. Le fait d'avoir
nos collègues en collectivité territoriale, le fait de pouvoir disposer d'une ingénierie, d'un soutien, d'un partage dans leurs différentes actions d'aménagement du territoire, à travers un établissement qui leur apporte l'expertise nécessaire, la perspective nécessaire pour pouvoir mener leurs aménagements dans le bon sens, est un atout réel. Mais pour que nos collègues, dans l'immensité, la diversité des tâches qu'ils ont à remplir, fassent des arbitrages pour investir dans ces établissements publics de bassin, être présents, être actifs, s'investir dans des documents comme le SAGE, qui sont, c'est vrai, compliqués parce que les problèmes sont complexes, mais qui peuvent être rendus efficaces, pour qu'ils s'investissent, qu'ils donnent le temps. Ils ne sont pas stupides. Ils investissent du temps et de l'action dans ce qui est efficient. Ils ne vont pas perdre un temps infini à rédiger un document long et compliqué si à la sortie, ce document n'a pas une efficacité forte sur ce qui se passe sur le terrain. C'est pourquoi il est nécessaire que, du point de vue institutionnel, ces établissements publics de bassin, et je réponds à votre question, monsieur le sénateur Gillet, pour moi, oui, il faut que l'établissement public de bassin prenne un statut qui lui donne de l'importance dans le paysage institutionnel, de manière à ce que nos territoires et nos élus locaux s'investissent sur ces sujets-là pour pouvoir peser sur la dimension politique. Et à contrario, pour être assez clair, monsieur le sénateur, vous appelez à l'importance du département sur ces sujets. Oui, l'accompagnement du département et des régions sont fondamentales dans l'établissement public de bassin. Mais on le dit avec force et on le répète vraiment beaucoup, mais c'est d'une importance claire. Ce choix historique dans les années 60 de travailler sur les grands bassins versants était un choix fondamental et tout à fait pertinent. Il est aujourd'hui nécessaire, devant l'urgence, de reconduire cette démarche à une échelle infra. Et il faut absolument gérer la question de l'eau à l'échelle du bassin versant. Or, les départements ne recouvrent pas nécessairement ces bassins versants. Cependant, il faut que les départements et les régions soient associés à l'action des établissements publics de bassin. Ils ont des compétences en matière d'environnement. Ils peuvent donc largement accompagner tout le travail sur le grand cycle de l'eau, et il faut le redire fortement, les tuyaux, et vous avez raison, l'étanchéité de nos transports, tout ça est essentiel. Mais nos tuyaux, nous ne pourrons pas les remplir si notre grand cycle de l'eau est trop perturbé. Donc il est nécessaire de travailler sur les deux fronts, et les départements et les régions sont les bienvenus ô combien en accompagnement des établissements publics de bassin. Cependant, nous pensons que la compétence, le bon échelle de compétence, d'une compétence bassin sur cette question du grand cycle et du petit cycle, doit bien rester appuyée sur un bassin hydrographique et sur des établissements publics de bassin. Merci. Monsieur Burlot. Moi, je voudrais dire d'abord à Monsieur Genet que la Bretagne est la première région d'Europe à être rentrée dans les contentieux sur les nitrates. Parce qu'on dépassait les fameux 50 mg par litre dans les eaux superficielles. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, la région Bretagne est la première région à être sortie des contentieux. Première région d'Europe. Quand d'autres régions d'Europe rentrent dans les contentieux. Je dis ça parce que quand on veut, on peut. Et même en Bretagne, avec l'agriculture que vous connaissez tous de la Bretagne, on a réussi à relever le défi. Donc, quand on fait avec, on a des résultats. Quand on fait contre, c'est souvent la bataille. Donc, il faut faire avec. Et ça, c'est très important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est à propos du rendement des réseaux. Il y a un sujet. Mais, de toute façon, plus les réseaux sont longs, notamment à la campagne, moins il y a de tirage, plus c'est compliqué. Aujourd'hui, on a des moyens de diagnostiquer, techniques qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans. Donc on sait aujourd'hui où les réseaux sont fuyards et où il faut agir en priorité. Donc il y aura un travail à faire. Mais c'est du renouvellement de canalisation. C'est du renouvellement de patrimoine commun qu'on n'a pas fait. Parce qu'on n'a quasiment rien renouvelé en France depuis l'après-guerre.
Donc c'est ça le sujet. Alors on nous dit, oui, les agences de l'eau, vous ne payez pas. Mais vous vous rendez compte le gouffre financier que c'est? Parce que là, le plafond mordant ne suffira pas. Hein. Donc, est-ce qu'on intègre dans le prix de l'eau le renouvellement du patrimoine? Non, évidemment. Alors en plus, il y a eu une supercherie, c'est qu'à l'époque, quand on signait ce qu'on appelait des délégations de services publics, le délégataire, il avait dans son contrat souvent le renouvellement des canalisations. Ce qu'il n'a pas fait, parce que ça coûtait trop cher. Alors on s'est tous un peu masqué, voilé la face. Mais aujourd'hui, on est devant une situation qu'il va falloir prendre en considération dans le prix de l'eau. Et encore une fois, attention, parce que dans le rendement, il faut regarder ça de très près, parce qu'il y a des endroits, en effet, où l'eau était très abondante. Donc, on ne s'occupait pas du rendement, puisque l'eau était abondante. Mais vous savez, là où il y a des sujets de quantité depuis des années, je pense à la Vendée, par exemple, les choses sont sérieusement prises en main. Hein. Croyez bien. Hein. Donc, c'est un sujet, mais attention de ne pas cristalliser. Alors, sur le grand cycle et le financement du grand cycle, pour répondre aux différentes questions, et à la différence d'amorce, parce que je tiens à le préciser, à la différence d'amorce, la question n'est pas uniquement... Évidemment, le sujet des produits vétérinaires, le sujet des produits médicamenteux, le sujet des microparticules de plastique. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'on récupère dans un sèche-linge, dans le filtre. Imaginez-vous ce qu'on ne récupère pas dans la machine à laver qui part directement aux égouts. Hein. Les microparticules de plastique, et là, on est tous concernés. Hein. Évidemment qu'on en trouve dans l'eau, puisque nos vêtements, tout ça, c'est plein de plastique. Donc, il y a un sujet. Donc, mais sur le grand cycle de l'eau, je pense qu'il faut qu'on fasse le bilan de tous les dispositifs qu'on a actuellement. Le premier, c'est la GEMAPI. Intéressant, la GEMAPI, mais inégalité. Quand vous êtes dans des territoires ruraux qui sont très larges, mais je pense à, vous savez, le territoire où il y a eu Xintia. Ils ont 62 km de digues à entretenir. Vous imaginez, 62 km de digues? Ils n'y arriveront pas. Enfin, vous voyez la taxe GEMAPI qu'il faudrait pour avoir... Parce que là, on parle de submersion avec tout ce qu'on connaît derrière. Bon, et il y a des territoires qui sont très peuplés, hein, peu denses, et qui, eux, ont des taxes GEMAPI ridicules, quoi. Alors qu'ils impactent en amont ou en aval. Enfin, vous voyez. Donc là, il y a un bilan de la GEMAPI à faire. Je rappelle que le montant total de la GEMAPI aujourd'hui en France est équivalent à peu près au plafond mordant. 280 millions d'euros. C'est pas tout à fait ça, mais ouais, ça pourra donner un ordre d'idée. Bon, ça, c'est le premier. Le deuxième sujet, c'est le fonds Barnier, qui progressivement est en train de disparaître dans le budget général. Fonds Barnier, attention, c'est un fonds qui est utilisé et il faudrait en faire le bilan. Et je pense que là, il y a une... Parce que vous avez dit quelque chose, des épisodes extrêmes. On en aura de plus en plus. Jusqu'où les assurances vont aller ? Et continue à payer. Je vous parlais de Xintia tout à l'heure. Vous savez que le montant de Xintia, la facture pour l'État, c'était 600 millions d'euros. L'État a acheté, je ne sais plus combien de maisons, détruit des lotissements. 626 maisons. Voilà. Mais vous savez que la Roya, l'épisode de la Roya, 1 milliard. 1 milliard, ça a coûté. Un événement. Et là, comment on va financer demain toutes ces questions de... Donc, GEMAPI. Fonds Barnier, pourquoi pas l'idée des REP hein, sur des produits toxiques, etc. Moi, je n'évacue pas ça. Mais le grand cycle de l'eau, c'est les solutions fondées sur la nature, c'est la reconstitution des zones humides, c'est les paiements pour services environnementaux. C'est une multitude d'actions qu'il va falloir mettre en œuvre. Et les budgets actuels des agences de l'eau ne suffiront pas. Et j'ai envie de vous dire que si on veut donner de la fierté à tout ça et du sens commun, il faut qu'on réfléchisse au financement plus large du grand cycle de l'eau, intégrant tout ce que j'ai dit. Et de poser uniquement la question des REP, ça serait mal regarder le sujet. Alors, là, vous avez raison, madame, loi chapeau. Parce qu'il faut regarder ça en supra. Parce qu'on ne va pas demander à chaque EPTB et à chaque agence de l'eau, avec les inégalités territoriales qu'on a déjà constatées, d'avoir une fiscalité propre. Il faut quand même qu'on regarde un peu ça de haut. Et donc, c'est dans cet état d'esprit, mon cher Frédéric, qu'on travaille sur les propositions que le CNE pourrait faire à la ministre en début d'année prochaine.
Donc on va essayer de travailler sur le gouvernement. D'ailleurs, Monsieur le Président, si vous voulez, on reviendra vous voir, hein, parce que le sujet est tellement vaste, oui, le sujet est tellement vaste que ça mérite quand même attention. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on regarde les choses un peu globalement sur la fiscalité. Et encore une fois, le sujet est important. La bataille de l'eau peut avoir lieu. Peut avoir lieu. Je pense même que dans certains endroits, elle a lieu. Et moi, je suis sur le bassin Loire-Bretagne, je vous ai dit. Et en Loire-Bretagne, on a une centrale hydroélectrique qui s'appelle Montpezat, qui est dans la Haute-Loire, et qui produit de l'eau qui est issue du bassin de la Loire et qui la rejette dans le Rhône, via l'Ardèche. Et c'est 300 millions de mètres cubes d'eau qui partent du bassin de la Loire et qui vont alimenter l'Ardèche. Si on les tire, en Ardèche, il n'y a plus d'eau. Hein. Donc pour eux, c'est vital. Mais les collègues de la Loire, qu'est-ce qu'ils disent dans le Massif central? On nous annonce, et c'est pour ça que les perspectives, c'est intéressant, moins 30% d'eau en 2050 dans la Loire. Moins 30%. Tout simplement parce qu'il ne neige plus. Et donc, on a plus de soutien à d'étiage. Vous vous rendez compte, quand on dit ça, au Massif central, où Giscard d'Estaing disait, notre président, à l'époque, disait, c'est le château d'eau de la France. Ben, je vous assure qu'en Limagne, les agriculteurs et les coopératives agricoles, Limagrain, etc., sont très, très, très inquiets. Parce que c'est leur modèle économique qui est posé à travers tout ça. Donc, on a intérêt, collectivement, de porter ces messages-là. Et on a intérêt, je crois, la collectivité publique dans son ensemble, territoire et État, d'être ensemble sur ce sujet. Et on ne sera pas trop, croyez bien, pour convaincre qu'il faut qu'on trouve des consensus, des compromis, parce que de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Merci. Allez-y, on conclut. En guise de conclusion, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais deux petites choses. La première, on a envoyé il n'y a pas longtemps à l'ensemble des parlementaires et donc des mesdames et messieurs les sénateurs le livre bleu de l'ANEP. Donc je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais si tel n'est pas le cas, nous avons d'autres exemplaires. Mais je vous invite quand même à peut-être en prendre un peu connaissance parce qu'il rentre davantage dans les détails que nous ne sommes capables de le faire en pareille circonstance, même si nous avons beaucoup apprécié de pouvoir nous exprimer devant vous. Et puis, je lancerai un appel à mon tour, puisque Thierry Bourleau l'a fait au titre du Cercle français de l'eau. Mais sachez qu'à l'ANEB aussi, nous serions très heureux d'accueillir d'autres parlementaires que ceux avec lesquels nous avons le plaisir de travailler. Et ce, je le dis tout de suite, toute sensibilité politique confondue. Parce que vous l'aurez compris, si nous ne partageons pas ensemble les choses, et surtout si vous n'êtes pas nos relais sur un certain nombre, en tout cas, de propositions, il y a un certain nombre de sujets qui, à nos yeux, risquent de ne pas avancer au rythme où nous pensons qu'il serait utile qu'ils avancent. Donc, en tout cas, soyez les bienvenus et nous restons à votre entière disposition autant qu'il le faudra. Merci, merci à vous quatre pour effectivement avoir répondu à notre invitation. Alors, on voit bien avec l'ensemble des questions, parce que c'est des questions claires et précises, et vos réponses aussi, et on voit bien tout le travail qui est devant nous et la sensibilisation qu'on a à faire aussi. Parce que je crois qu'on a effectivement à sensibiliser nos concitoyens, à effectivement essayer d'être le plus... en parlant d'eau limpide possible, pour effectivement faire comprendre à nos concitoyens que l'eau est un produit aujourd'hui rare et qu'il faudra se donner les moyens effectivement de le garder. Parce que, vous savez, moi, dans mon département, j'ai une inquiétude parce qu'il y a 4 ans, lorsqu'il y avait un étiage très, très important entre Maison du Bois Lièvremont et Pontarlier, je suis allé sur place, il y a 4 ans, puisqu'on m'a invité, on m'a dit, il faut venir voir, c'est grave. Et depuis, l'étiage est encore plus fort qu'avant, il est plus précoce qu'avant, mais on n'y va plus, parce que je crois qu'on a pris l'habitude. Et ce qui est très grave, parce qu'on s'est fait au phénomène, disant, bah oui, oh là là, c'était grave il y a 4 ans, maintenant ça l'est moins, maintenant c'est un phénomène normal. Et je pense qu'il faut qu'on réagisse sans... Alors, c'est compliqué parce qu'il faut réagir sans être alarmiste,
mais en essayant d'être convaincant. Alors, merci pour vos propos, puis on aura l'occasion de se revoir pour travailler ensemble. Merci à vous. Merci.